Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live sur Minecraft modé. Et aujourd'hui c'est un live qui est particulièrement spécial parce que dans le live d'aujourd'hui on va essayer de passer les 800 000 abonnés. C'est juste un chiffre complètement malade. Et normalement, je dis bien normalement puisque ça dépend pas de moi, mais normalement quand on va passer les 800 000 abonnés, on devrait avoir une surprise. En tout cas c'est ce qui est écrit sur ces panneaux. Mais avant, rapidement, il faut que je vous explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épisode de Minecraft modé aujourd'hui, parce que normalement j'étais censé sortir un épisode et pas faire un live. Je vais juste vérifier que tout va bien, j'ai juste peur que ça soit le bordel. Ok, devait y avoir de l'écho, j'ai peur. Non, je sais pas. On est 5000 les gens, on est 5000 et le live vient de commencer, c'est juste un truc de dingue. Donc, il devrait y avoir, je pense, une surprise pour les 800 000, normalement, si tout se passe bien. Parce que j'ai reçu des panneaux dans ma base. Salut Fuse, je vois que tu vas bientôt passer les 800 000 abonnés. A cette occasion, je te prépare une petite surprise dans ta base. Par contre, je sais pas si on peut dire que c'est une bonne surprise. Ce sera à toi de juger. Signé Viking. Merci Rushender, salut Fuse, ça va? Bah écoute, ça va. Donc écoutez les gens, normalement il devrait y avoir une surprise de la part de Viking aux 800 000 abonnés. Donc je sais absolument pas ce que c'est et apparemment c'est soit quelque chose de bien, soit quelque chose de pas bien. Donc je sais pas du tout. Le premier de la soirée avant une longue liste de dons, merci beaucoup Maxime. Bah écoute, bah voilà, je suis content que tu sois là. Du coup, pourquoi est-ce que je fais un live et pas une vidéo? Parce que, en gros, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc, cette nuit, j'ai passé toute la nuit à régler des problèmes qu'il y avait sur Palladium, parce qu'on a eu quelques petits problèmes au niveau de la duplication. Donc, le serveur a été en maintenance pendant toute la nuit pour ceux qui étaient là, bah, cette nuit. J'ai reçu pas mal de messages à ce sujet. Donc là, le serveur est réouvert, mais bah, du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, je me suis réveillé tard, et après, j'ai eu des problèmes avec ma map de Minecraft modé. En gros, vous verrez ça dans le prochain épisode, mais en gros, la map était corrompue, donc j'ai passé 3 heures à essayer de régler les problèmes. Et du coup, j'ai commencé à recorder l'épisode de Minecraft modé, mais j'aurais jamais pu le sortir en temps et en heure. Du coup, j'ai décidé de faire un petit live. Et ça tombe bien, puisque bah, ça va être sans doute un live dans lequel on va passer les 800 000 abonnés. Enfin, j'espère en tout cas. On est 8300 déjà, les gens. Bah, merci beaucoup. Zino, t'es le meilleur youtubeur quand tu es comme ça. Mon pseudo se prononce Zaino. Ok, bah, merci beaucoup. Merci aussi, Kikito. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, je pense que ce soir, on va se donner quelques petits... Parce que j'ai pas envie de faire un live où vraiment on va être en mode hyper sérieux, etc. Comme ça a pu être le cas au dernier live. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être posé. C'est-à-dire, voilà, on fait un petit live tranquille. Et on va du coup se faire des petits challenges pour les paliers d'abonnés. Donc pour une fois, j'ai mis le compteur en haut à gauche. Donc, on va faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Donc, sachant que ma cheville va un petit peu mieux, parce que pour ceux qui ont suivi les derniers lives, à chaque fois on me demande « Ouais, Fuse et tout, vas-y, va faire des saltos arrière, tout ça. » Moi je vais un petit peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est que si jamais on arrive à dépasser les 800 000 abonnés ce soir, et ben ça va être l'objectif. Je devrais aller dehors. Bon, je vais pas le faire ici parce que la dernière fois je l'ai fait ici, le salto arrière, et bah, ça s'est pas très bien passé. Enfin, c'était foireux quoi, j'ai failli me bouffer le plafond. Mais ouais, je crois que d'ailleurs c'est le live où on avait passé les 600 000 abonnés, il me semble, hein. Donc, objectif, on va mettre objectif 800 000, hop. Salto arrière, ça fait vraiment hyper longtemps que j'ai pas fait de salto arrière dehors. Donc bah, je crois la dernière fois c'était pour l'admin series. Donc j'ai peur, j'ai un petit peu peur. Donc je devrais sortir dehors et faire le salto. Donc ça va être chaud, mais ça promet d'être cool, je pense. J'espère en tout cas. Et on va se mettre aussi quelques petits challenges entre temps. Mais j'ai pas encore trop décidé, je dois vous avouer. Donc on va décider ça ensemble juste après. Mais avant, oula, j'ai raté plein de dons. Alors, merci Philippe Antoine Charvier, merci Beyond Kev, 50 euros. Bonjour Fuse, je veux mon panneau. Allez Fuse, bon courage, pas grave, je suis en train de te préparer une belle map. Allez ma crevette, ce soir tu manges quoi? Merci à toi. Ce soir, je pense pas que je vais manger parce que j'ai mangé un gros tacos ce midi, donc j'ai plus faim. Donc voilà, Darkfoz, Fuse, tu te rappelles de mes dons? Je t'ai dit de regarder les crafts de l'uranium or de IC2, tu peux faire du Yellorium avec, regarde. Ouais, ça date un petit peu, hein. Ça date un petit peu, mais je crois que je me souviens de ton message. Je me souviens pas de ton pseudo, pour être honnête, mais je me souviens de ton message. Pourquoi es-tu sur Windows 7 et pas sur le 10? Parce que j'ai raté le truc pour passer sur Windows 10 gratuitement. Du coup, bah, j'ai la flemme de payer Windows 10 et j'ai la flemme de le craquer. Donc voilà, je reste sur Windows 7 et ça marche bien, hein, Windows 7 en vrai. Donc voilà. Pourquoi es-tu sur Windows 7, pas sur le 10, machin? Paul Grette, merci beaucoup. Yo, t'es un super youtubeur, merci beaucoup. Maxime, tu te fais un resto si tu passes les 800 000? J'ai vraiment pas faim, donc je ne pense pas, mais...
Mais je pense que, en gros, je pense que ce qu'on peut faire aussi, un truc qui pourrait être sympa et que j'ai jamais fait, c'est que si jamais on passe les 800 000, je prendrai le numéro de 3-4 personnes d'entre vous et puis je vous appellerai comme ça en numéro masqué. Ça peut être sympa, ça peut être sympa, mais du coup, voilà. Bon, on va attendre de passer les 800 000 avant ça. Et voilà, bah écoutez, ça, bon, après j'aurai l'air con si ça marche pas, si on passe pas les 800 000, mais c'est pas grave. Cool, moi je m'en vais à l'école, PS, je suis au Canada et bon live, allez vous abonner à et à celle de Fuse, merci beaucoup, Steel Free, oui. Ok, bon alors, bon, avant de se donner les petits challenges, Sushi, Rush Under, ah non, je fais pas de sushi ce soir. Avant de commencer un petit peu à faire la liste des challenges qu'on peut se faire ce soir pour chaque palier d'abonnés, ce qu'on peut faire à la limite, c'est que on peut s'amuser à faire un petit peu de décoration, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Monsterla72, salut Fuse, coucou à toi et à Didier. Bah coucou, salut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment te faire un don pour Palladium car tu as un petit coffre en or, je te paye un giga tacos. C'est pas. Tu m'envoies un mail si tu veux me faire un don sur Palladium. OneWatch27TV, c'est notre youtubeur préféré, mais MDR, j'ai mon panneau moi. Voilà, merci en tout cas les gars. Nana Gaming, merci beaucoup aussi. Le BG du 32, merci. Alors ouais, je voulais faire un petit peu de décoration et je pense que, allez, dans 15 minutes, on va se faire un objectif. Pour les gens qui arrivent, en gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un message de la part de Viking dans ma base pour me dire que, en gros, aux 800 000 abonnés, j'aurai une surprise dans ma base. Je ne sais pas quelle surprise c'est et il m'a dit que ça pouvait soit être une bonne surprise, soit être une mauvaise surprise, dépendamment de la façon dont on voit ça. Donc voilà. Maxime Genoux, bon, ça c'est un des plus gros dons spécial fait. Merci beaucoup Maxime, mais t'es un gros taré Maxime. Hein. T'es vraiment un gros taré. Bon, moi un truc que je voulais commencer, enfin l'un des premiers trucs que j'avais envie de faire, c'était d'avancer sur l'ascenseur, parce que là pour l'instant on a un ascenseur qui permet d'aller du rez-de-chaussée jusqu'à la salle météo. Putain, ça va hyper vite en fait. Putain, c'est trop stylé. Mais on a encore d'autres étages auxquels on peut aller. Donc on va aller tout en haut. Putain, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Là il a commencé depuis 10 minutes. Et c'est le bordel. On est presque 12 000 les gens. Nickel. Alors, bon évidemment mon hammer ne marche plus. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans mes contrôles. Et faut aller dans Draconic Evolution parce que j'ai moyen de transformer ma pioche en hammer. Merde, ça c'est Draconic. Non, c'est Dark Steel Armor ça. Non, moi je veux Draconic Evolution. Tous les N-Armor config G8. Merci Jérémy Perrault, mais le slow chat. Il y a déjà un slow chat normalement. De 60 secondes. Semicolon, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça. Non. Non. C'est quoi semicolon? Ah, c'est ça, ok. Ouais, du coup, en gros, ce qu'on peut faire, c'est que on peut... Voilà, on peut modifier en 3x3. C'est-à-dire que maintenant, là, je vais creuser en 3x3. Voilà, putain, ça creuse vite, hein. Ça creuse plus vite qu'avec mon marteau, en fait. Fuse, c'est des coins, j'ai changé de pseudo. Bah, merci beaucoup, Paul. Ouais, donc, en gros, là, l'idée, ça va être un petit peu d'augmenter le... D'augmenter la taille du... Merde. D'augmenter la taille... Le... Putain, j'ai galère déjà. Fais une dédie à Viot Power, bah voilà. C'est des coins là. Stratatouille, salut, je viens ici pour te harceler car j'ai envoyé deux mails. Il faudrait que tu ailles rapidement mon don sur Palladium, sinon le pire deviendra riche. Oui, j'ai vu ton nom en vrai, j'ai vu ton nom Stratatouille, t'inquiète pas. Enfin, j'y ai été voir, mais je l'ai pas montré en vidéo. J'ai rien récupéré pour l'instant, mais... Par contre, là, j'ai mis la map carrée. Je sais pas comment est-ce que je... Voilà, comme ça, c'est mieux. Paul Gray, c'est pas grave si j'ai deux panneaux. De toute façon, de live en live, je compte pas plusieurs panneaux, en fait. Genre, c'est... à chaque fois, ça se reset à chaque live. Alors, ok. Ça va être pas facile d'augmenter la taille du truc, là. Hein. Ça va être de galère. Le BG du 32, allez, 800 000 abonnés à toi, Quoi? Allez, 800 000, abonnez-toi à ma chaîne FMA Gaming SVP, bon live VGG. Merci beaucoup le BG du 32. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ici, alors en gros, on est censé avoir un étage ici que je pense que je vais faire tout de suite, enfin je vais faire le sol tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. On va utiliser le truc grave pratique que je vous ai montré dans le dernier épisode de Minecraft Modé, c'est l'Unbreakable Wand qui permet de poser plein de blocs en même temps. Voilà.
Hop, hop, hop. Le live vient à peine de commencer, tu perds déjà tes mots. Bah ouais, comme je vous ai dit, là j'ai passé la nuit à régler des problèmes sur Palladium, donc... un peu fatigué, mais sinon ça va. Hop. Ok. Salut Fuse, mon premier don pour mon youtubeur préféré, merci beaucoup Matt. Je veux que Didier pose mon panneau, Beyond Cave. Bah je veux bien, mais le truc c'est que Didier, je crois pas qu'il c'est dans ses cordes de poser des panneaux par contre. Hein. Je suis pas sûr, mais... Le cadeau de Viking, faire exploser ton réacteur de draconique, MDR. J'ai pas de réacteur de draconique, hein, mais... Et lui non plus, en fait, personne n'a de réacteur... T'sais, vous savez que franchement, faire un réacteur de draconique évolution, c'est genre hyper dur, hein. C'est vraiment chaud. Mais ouais, donc, je rappelle les gens, ce soir on essaie de passer les 800 000. Bon alors le problème c'est que je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'à chaque fois que je mets, vous savez, je mets le petit truc là à droite de l'écran avec le compteur d'abonnés, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le mets, les gens ils s'amusent à se désabonner. Donc je sais pas si on va les passer ce soir les 800 000. Mais bon tant pis, hein, c'est pas, bon, si on passe pas les 800 000, j'aurai pas la surprise. Ce qui est un peu chiant, mais bon, j'y passerai plus tard. Enfin bref, abonnez-vous ceux qui ne sont pas gaulés 800 000, bah merci beaucoup Paul. Go faire 800 000 cette horaire, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile, sachant que je sais pas comment je vais faire, hein, parce que si jamais je dois faire un salto arrière, le truc c'est que je le fais pas à l'intérieur, parce que la dernière fois à l'intérieur j'ai failli mourir. Du coup le truc qui se passe c'est que je pense que je vais devoir le faire, à l'extérieur, donc je sais pas comment est-ce que je vais faire pour filmer à l'extérieur. Je pense que je vais être obligé de prendre mon téléphone et ça va être la galère. Je pense que ça va être un peu la galère, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je le ferai. Ouais, du coup j'avais envie de mettre des petits paliers, avec des objectifs. Parfait, bon live à toi du coup, hashtag libéré chap. Bah, merci beaucoup Stratatouille. Tu pourrais me laisser t'écrire sur Discord, je voudrais te dire quelque chose, mais ça presse pas, Maxime Genoux. Bah en fait je peux pas, enfin c'est galère Discord, c'est-à-dire que j'ai 50 000 demandes d'amis. C'est-à-dire que Discord vraiment, je sature un petit peu, c'est-à-dire que je réponds même plus aux gens qui m'envoient des messages, donc ça risque d'être compliqué. Je te regarde depuis le premier épisode de Palladium saison 1, merci beaucoup Ryan. Merde. Ouais, du coup, j'avais envie de faire une petite liste, tu fais en live sur Twitter. Mais non, mais je pense que je vais faire en live sur YouTube, puisque là, s'il y a tout le monde sur YouTube, ça sert à rien de partir après sur Twitter. Mais enfin, j'ai une petite idée de comment faire, je pense que je vais genre... je vais m'appeler sur Skype, et après je vais streamer la webcam Skype, enfin je sais pas, je vais me débrouiller, mais je sais pas ce que ça donnait. Alors... Torche. Non, j'ai pas de torche. Go libérer Zeta. Qu'est-ce qui se passe avec Zeta? D'ici la fin de l'année, tu auras 1 million GG pour les 800 000. Bah j'espère, hein. Après, rien n'est forcément gagné, mais ça serait cool. Bon, je vais juste éclairer un petit peu, et après on va faire la liste des challenges. Hop. Attends, je vais retourner sur le site. Tac. Ok. Bon, alors. Là, je vais avoir besoin de votre aide. C'est-à-dire qu'on va devoir établir des challenges pour chaque palier d'abonnés. C'est-à-dire qu'en gros, là, au fur et à mesure du live, on va essayer d'atteindre les 800 000. Bon, je sais pas si on va y arriver. Hein, parce que franchement, depuis le début du live, on a pris 0 abonnés. Mais bon, on verra bien. C'est pas grave, si on n'y arrive pas. Qu'est-ce que je disais? Alors, on va faire ça dans la salle de YouTube, hein, autant qu'elle serve, cette salle. Voilà. Ok. Donc ici, je vais m'installer un petit tableau. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on va faire des challenges à peu près tous les paliers de 50 abonnés, je pense. Ça me semble honnête. Donc en gros, là, on a commencé le live, on était à 798 150. Donc si jamais on arrive à... 798 650, je crois. Il faut se mettre un petit challenge, ok? Donc on va faire pareil à 798 000. Bon, 799 000, on va arrondir. Et à 799 500.
Et enfin, merde, et enfin à 800 000. Bon, 800 000, on sait déjà ce que c'est le salto arrière. Bon, alors on va faire un autre truc aussi. Bon, ça, j'avais dit que je ferais aussi. Donc, à 799 500, je vous appelle. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de proposer des challenges pour les 798 650 et 799 000 abonnés. Donc, on va se mettre d'accord. Donc, je vais regarder un petit peu. Je vais remettre le chat. Parce que j'ai plus le chat. Oula, attendez. Ah, j'ai raté le don de Corentin. Salut Fuse. Je ne peux malheureusement pas regarder ce live. À plus tard. Bah écoute, le mec, il se ramène, il fait un gros don et il se barre. Bon, bah écoute, merci beaucoup Corentin en tout cas. Ça fait plaisir. 12e docteur, tu te souviens de moi? Je dois avouer que non, je vais être honnête. Mais peut-être que si tu me dis le message que tu avais envoyé, peut-être que je m'en souviendrai. D'ici la fin de l'année 1. Mehdi Bellicral, merci beaucoup. Est-ce que tu as eu les 100K sur Fuse au carré, sur Fusei au carré? Non, j'ai pas eu les 100K sur Fusei au carré. Alors pour ceux qui sont pas au courant, en gros, YouTube, ils ont changé récemment les plaques d'abonnés en fait. Et j'essaye, je dis bien j'essaye, parce que c'est pas dit qu'on y arrive. Alors attendez. J'essaye de passer, je vais vous montrer ça. J'essaye de passer les 100 000 abonnés. Non, c'est pas que... C'est ça que je vais vous montrer. J'essaye de passer les 100 000 abonnés, justement, sur ma chaîne secondaire. Là, vous voyez que là, pour l'instant, on est à... Ah, merde, ça se voit pas parce que, évidemment... Parce qu'évidemment, il y a ma caméra, donc ça fout le bordel. Donc, ici, vous pouvez voir que là, on est à 83 500 abonnés. Et à partir de 100 000, normalement, je suis censé recevoir une plaque spéciale. Donc, si jamais vous voulez... En fait, je pense que je vais faire une petite review, genre ancienne plaque vs nouvelle plaque, pour voir un petit peu laquelle est la plus stylée. Moi, si vous voulez mon avis, c'est quand même l'ancienne qui est la plus stylée, mais après, bon, apparemment, vous aviez pas l'air d'être du même avis que moi, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'aimerais bien quand même avoir les deux, histoire de dire j'ai les deux. Donc, si jamais vous voulez m'aider, bah, vous pouvez m'aider. Mais bon, après, en vrai, je m'en fous un petit peu, c'est juste plus pour le fun que quelque chose. Panda Assassin, GG, bonne soirée, merci beaucoup. Dark Foz, le challenge, finir ton armure. J'ai déjà fini mon armure. Donc voilà, défi, tu manges une cuillère de moutarde. J'ai pas de moutarde, mais sinon c'est vrai que ça aurait pu être drôle. Donc Rush Under, désolé. Maxime Genou, tous les temps d'abo, tu fais péter un Lucky Block dans ta base. Ouais, mais... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de casser ma base, quoique... Allez, on peut faire ça, on peut faire ça. Si jamais on passe les 798 650, on va faire péter 15 Lucky Blocks dans la base. Et si jamais... Moi, je pense qu'un truc qui pourrait être rigolo, c'est que si jamais on pète les 799 000, on peut faire un truc... Alors, je regarde un petit peu les propositions. Trop de cobble dans ta base. C'est normal, vous inquiétez pas, je sais. On va faire un peu de décoration ce soir aussi, je pense. Mais ça avance. À 800 000 d'abonnés, tu te rases le crâne. Non, ça marche pas comme ça, mec. Ça marche pas comme ça, faut pas déconner. Il faut du 59. Merci beaucoup, Zino, je dois aller, bon live à tous, merci beaucoup Zino, Zaino, pardon, si je prononce bien, j'espère. Défi, tu te fais épée, pioche, up, ou mettre un lucky? Je sais pas ce que ça veut dire, Swinner, mais... Non, faut un truc un peu rigolo, quoi, genre... fais une vidéo beauté, objectif, what? Est-ce que j'ai pas un truc dégueulasse à manger chez moi? J'ai plus grand chose chez moi parce que je déménage à la fin de la semaine. Donc j'ai plus grand chose. Qu'est-ce que je peux faire? J'avais 11 abos, maintenant j'ai 34 abos. Bah GG, 12e docteur. Oublie pas de creuser. Ah, ça me dit un truc, 12e docteur. Mais je crois que t'as changé de pseudo, non? Lopo, oublie pas de creuser le trou pour la fusée. Oui, j'ai déjà creusé le trou pour la fusée. Hein. Coucou, dédicace à tes abos de Suisse. Merci beaucoup, la frappe. Julien, tu chantes la Reine des Neiges ou Despacito? En fait, en vrai, la Reine des Neiges, je vous comptais faire un cover sur la chaîne secondaire, mais je pense pas que je le ferai. Je pense pas que je le ferai aujourd'hui. Je pense que je le ferai pour une autre occasion. On va. Attends, prank. Voilà, si jamais on passe les 799 000 abonnés, je ferai une prank sur le staff de Palladium. Ça me semble pas mal comme challenge. Alors évidemment, comme je le dis en live,
Bah, ils risquent, enfin voilà, les gens ils risquent d'être au courant malheureusement, ce qui est un peu chiant, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Tuto beauté fond vert, vidéo sérieuse de 10 minutes. Je n'ai aucun skill en tuto beauté, donc ouais, ça risque d'être. Arrivé à 798 400 abonnés, tu vas troller Viking. Ouais, le problème, c'est que Viking, il sait déjà que. Enfin, il regarde les lives, donc je pense que c'est pas drôle. Parce que s'il est au courant, c'est pas drôle, quoi. Mais après, le problème de Palladium, le problème, c'est que justement, peut-être qu'il va y avoir des gens du staff de Palladium qui vont regarder ça. S'il y a des gens du staff de Palladium qui regardent ça, n'allez pas voir les autres gens du staff de Palladium pour dire ouais, Fuse, il va nous troller à 799 000 abonnés. Parce que sinon, ça va pas être drôle. Mais on va trouver. Je trouverai un prank. Léo Gamer 2626, mais une TNT chez Viking. Bah, j'ai déjà fait ça la dernière fois, donc bon. C'est rigolo une fois, mais après, plein de fois, c'est moins rigolo. Bon, bah écoutez, voilà, ça me semble pas mal au niveau des objectifs de la soirée. Bon, j'espère vraiment qu'on va passer les 800 000 ce soir, ça serait vraiment cool. Pour qu'on ait, déjà, moi je suis assez curieux de voir la surprise de Viking. Et on. Ah non, j'ai oublié, oui, c'est vrai que j'ai oublié de faire le trou pour la fusée ici. C'est vrai, bien vu. J'avais oublié. Hop. Hop. Alors on est combien là? Parce que j'arrive pas à avoir tous les trucs en même temps. Tac tac tac. On est. J'arrive pas à voir. Gestionnaire de vidéo. FDF, j'ai machin, prank sur Istos. Ouais, mais je pense que sur Istos il sera au courant avant. On va pas les pranker sur Istos. Non mais j'ai une petite idée de troll que je vais faire, je vous en dis pas plus parce que sinon bah, ça va complètement foirer le troll parce que bon il y a toujours des petits malins qui font hey, hey, il va te troller mais je sais qui je vais troller déjà. J'espère. J'espère qu'il regarde pas le live. Mais ouais, alors juste j'ai perdu la page du live donc je peux plus avoir les infos. Non non, je l'ai gardé, 12e docteur. Bah écoute, je suis désolé mais je me souviens plus de toi. Mais là du coup, oh merde, j'ai perdu toutes mes fenêtres d'un coup. Hey, tu peux dire Charles F42 est le meilleur au PvP. Voilà, je l'ai dit. Ouais, je pense que. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, les gens? Est-ce que vous voulez faire de la décoration? Est-ce que vous voulez avancer sur les fermes? Est-ce que vous voulez avancer sur l'usine? Bon, remarque, je devrais pas dire ça parce que du coup, en disant ça, ça va être juste le bordel dans le chat. Alors, pourquoi est-ce que. What the fuck? Ah d'accord, j'avais mis mon écran, j'avais pas mis. Merde. Bon, ça, j'ai rien montré de grave. Ruby 27, petit don de l'amour et GG pour les 800K. Merci beaucoup, Marie. Bon, je ne lirai pas ton don parce que voilà, mais. Enlève ton t-shirt, Minel. Non, j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'être démonétisé, si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'en sais rien si je serais démonétisé ou pas, mais. Mais je prends pas le risque. Pour le challenge STP, tu chantes la Reine des Neiges. J'aurais jamais dû dire ça. Après, une fois que vous avez une idée dans la tête, vous pouvez rester dans la tête. Hein. Mets la salle des donateurs à l'étage YouTube. Est-ce qu'il y a la place? C'est vrai que la salle des donateurs, je pourrais la mettre à l'étage YouTube en vrai. Hein. Mais le truc, c'est que je l'ai déjà mis là, j'ai déjà mise là, j'ai déjà décoré et tout, j'ai un peu la flemme de déplacer, quoi. Déco plus les fermes. Alors déjà, moi, je pense qu'un truc que je voulais faire, c'était que je voulais... Parce qu'en gros, ici, j'ai une ferme à Wither Skeleton, là. Donc c'est une ferme qui génère bah, tous les loots de Wither Skeleton. Coucou, mon copain. Merci beaucoup, GameT. Putain, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup l'univers alpha, salut Fuse, merci Dark Knight. Ouais, du coup ici là j'ai plein de trucs, j'ai plein d'eau, j'ai plein de machins. Et en fait les eaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un générateur qui permettait de générer de l'électricité à partir des eaux. Et bah du coup on peut se faire celui-là. Donc ça s'appelle le Death Generator, non je crois que c'est quoi, c'est le Death Generator, pardon. Death Generator. C'est ce truc là, donc vous voyez que ça coûte pas non plus très très cher, il faut juste un furnace. On va se crafter ça tout de suite et après on va automatiser tout ça. Comme ça, ça va nous permettre d'automatiser un générateur de plus pour le Rainbow Generator.
Je me souviens même plus du challenge que... Ah oui, j'ai mis 15 lucky... Oui, quand on passe les 798 650 abonnés, on va exploser 15 lucky blocks dans la base. Ok, bon, nickel. Coucou Fius, t'es mon youtubeur préféré. Bah, mon coup... Merci beaucoup, Legendary87. Va sur la lune. Ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut là pour l'instant. Et surtout, en fait, je vais faire un épisode spécial où on ira sur la lune. Tu déménages où? Ah ah, non, mais je vais pas le dire, pardon. Je ne dirai rien. Alors pourquoi? Ah, j'ai pas de coffre. J'ai pas de coffre. Bon, c'est parti pour faire quelques petits crafts. Après, peut-être qu'on pourra aller faire autre chose que du Minecraft modé, je sais pas. Viens sur ce Discord, STP Discord, machin. Non, désolé, je viendrai pas sur ce Discord. Fais la danse des extraterrestres verts, Renaud Laurent. Non. C'est que j'aime pas ce que c'est la danse. Ah oui, ah oui, le truc d'Ametu Kosita là. Non, je ferai pas ça. Est-ce que j'ai crafté ce qu'il fallait? Non, c'est ça qu'il faut que je crafte, non? Donc d'abord il faut que je crafte ça, ensuite il faut que je crafte ça, et enfin il faut que je crafte ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il y aura aussi un épisode de Minecraft modé jeudi, puisque en fait l'épisode qui était censé sortir aujourd'hui, je le sortirai jeudi. Fais un appart avec DécoCraft dédié au Teletubber. C'est quoi les Teletubbers? Le geek YouTube. Ouais, bon après les apparts déco, je ferai ça à la fin quand j'aurai fini, enfin quand j'aurai fait ce que je veux faire en priorité. Mais c'est prévu. Alors, qu'est-ce qui me manque? Pourtant, normalement, j'ai censé avoir tout ce qu'il faut, non? Pourquoi j'ai pas ce qu'il faut? Putain, ça m'énerve quand j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que j'ai des bones? Ouais, j'ai des bones. Est-ce que j'ai un eye of... ouais, j'ai ce qu'il faut. J'ai de la redstone, normalement. Bon, bah, on va être obligé de faire ça à la main. Ok, merci Delirium pour ton don. Premier temps en live Fuse 3, bah merci beaucoup, c'est grâce à vous. Défi raid une chaîne en live, bah je ferai ça peut-être à la fin. À 799 900 abos, les 7 premiers chiffres de ton numéro de téléphone. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle et surtout ça va faire chier les gens qui ont des numéros de téléphone qui ressemblent au mien. Pourrais-tu regarder mes mails? Je suis un mapmaker, Minel. Je regarderai, mais là je fais un peu une overdose de mails et tout, de messages que je reçois dans tous les sens, donc voilà. Ok, bon, le Death Generator, en gros, je vais vous montrer comment ça marche. Slash home usine, donc on va à l'usine, et en gros, je vous montre, ce qui se passe, c'est que ce truc là, non, merde, ah putain, je minais toujours en 3x3, ah merde, mon jeu est en train de crasher, je crois, oh, ah non, c'est bon, mes cheveux, c'est le bordel, bah oui, c'est la base. Feras-tu une vidéo avec d'autres youtubeurs? Oui, bah, enfin, j'en fais déjà assez... Enfin, j'en fais avec Soristos, quoi. Soristos, c'est d'autres youtubeurs que je connais, quoi. Après, comme je dis à chaque fois, les youtubeurs Minecraft, enfin, il y en a plus beaucoup, quoi, donc... Hop. Hop. Ok, donc là, en gros, l'objectif, ça va être de générer de l'énergie à partir du Death Generator. Le Death Generator, il génère de l'énergie, par exemple, à partir des eaux. Donc, je vais récupérer les eaux de ma ferme à... De ma ferme à Wither Skeleton. Et normalement, ça devrait... Vivement les 800K, sinon super, tes vidéos continuent comme ça. J'espère que tu vas atteindre les 1 million d'abos. Bah, merci beaucoup, Selon. Wick Asana, tu t'es fait piller sur Yira il y a 2 jours. Sur Yira, j'avais pas de base. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais regardez, quand je passe là,
Donc quand je passe à côté du Death Generator, là j'ai un petit effet de mort, et du coup en fait c'est ça qui me tue à chaque fois, faut pas se rapprocher trop de ce truc, sinon vous mourrez. Donc c'est dangereux. Mister Nox, merci beaucoup, salut, vas-tu faire une minute décoration dans le live? Mon petit nom m'a dit que tu avais un super jingle, et sinon quand tu fais comme ça tes vidéos sont super. Go to 800K. Bah merci beaucoup Mister Nox, je sais pas si je ferai une vidéo... Une minute décoration pour le live, mais je peux pas mettre de jingle, enfin c'est galère à mettre le jingle pour le live, donc voilà. Tu raides quelqu'un en live, peut-être à la fin, mais genre raid en plein milieu du live, on perd la moitié des viewers, ça me fait un peu chier. Alors, slash home. Bon, pour petit rappel, en gros, ce qui se passe, c'est que normalement Viking est censé venir et nous faire un truc dans la base quand on va passer les 800 000, mais je sais pas si on les passera ce soir, donc. Dans le pire des cas, ça sera dans je sais pas combien de temps. Extreme Soldier, bah merci beaucoup. Il y a des gens qui demandent s'ils ont raté beaucoup de choses. Alors non, vous n'avez pas raté grand-chose. C'est juste que là, en gros, je suis en train de définir les objectifs qu'on va avoir pendant le live. Enfin, c'est-à-dire en termes, genre, ce qui se passe par palier d'abonnés. Donc voilà, on a fait des petits challenges, tout ça, tout ça. Donc on va faire quoi? Ouais, Ping Dai. Amin Tayeb, j'espère que tu vas finir ta base à peu près. Bah, je vais pas la finir aujourd'hui, mais après, à terme... En vrai, j'ai jamais autant avancé sur une base de toutes mes séries modées, donc en vrai, je suis assez content de moi. Alors là, en gros, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc là, je me suis créé des Ender Chests que j'ai liés ensemble. C'est-à-dire que là, les deux Ender Chests que j'ai ici, si jamais je mets un item dans un des Ender Chests et que je mets, enfin, que j'ouvre l'autre Ender Chest, eh ben, il y aura les mêmes items exactement. Les Teletubbies est une chaîne YouTube pas très connue. Ben, je ne connais pas. Du coup, en gros, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, j'ai trois. Enfin, je vais avoir trois Ender Chests. Donc, j'ai un Ender Chest dans lequel je mets les têtes de Wither. Oula! Arachne X-Men. Salut Fuse! Mon premier don, j'ai le droit à mon panneau et tu peux dire X-Men. Bah, merci beaucoup! Je mettrai les panneaux après, vous inquiétez pas. Tu peux me faire une dédie? Bah, voilà, dis Binou, merci. Les 798 400 abos sont passés. Bah oui, mais l'objectif il est à 780. Non, il est à 798 650. Donc voilà. Donc on va prendre des petits items conduites. Est-ce que j'ai un filtre? Non. Ok, on va devoir se faire un filtre nous-mêmes. Hop, hopper. Il nous faut un hopper. Hop. Bon, après on va faire de la décoration, je pense. C'est plus rigolo en live la décoration. Alors je sais pas exactement ce qu'on va décorer, mais on va essayer de faire de la déco. Donc voilà. Alors, paper. Évidemment, j'ai pas de papier, c'est génial. Ryan Jacquemin, merci beaucoup pour ton don. Gaspard Rakic, merci beaucoup. Fuse change de chapeau. Allez, on va vous faire plaisir, on va changer de chapeau. Lion R6, salut, ça va Fuse? Continue comme ça, t'es le meilleur. Merci beaucoup, Lion. Ah tiens, apparemment j'ai un nouveau... Je sais même pas ce que c'est que ce chapeau. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ah, c'est une tortue que j'ai sur la tête. Allez, on va garder ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, normalement ici, voilà, j'ai du papier, donc ça c'est nickel. On va pouvoir se faire notre filtre. STP Fuse fait une vidéo avec Siphano, mais je crois que Siphano il fait plus beaucoup de Minecraft, enfin à moins que je dise des bêtises, mais... Mais il fait pas beaucoup de Minecraft, je crois. Peut-être un jour, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je le connais pas personnellement, donc... Donc voilà. Dédicace à Team Patato. Merci beaucoup, Matisse. Tu peux mettre la map en description STP. La map, elle est trop lourde pour que je la mette en description maintenant. Mais après, je pense que à l'épisode 100, genre, je mettrai la map en description, en téléchargement. Mais pour l'instant, je peux pas me permettre de la mettre. Alors, bon là on avance bien, on a quasiment terminé ce que je voulais faire. Hop. Tac. Tac. En gros là je mets le mode en insert pour que les items y rentrent à l'intérieur et je vais mettre une petite amélioration pour dire que à chaque fois je veux faire rentrer à l'intérieur tout ce qui est eau. Parce que là on a genre des trucs qui servent à rien qui rentrent dedans du genre du charbon. Donc là on va faire rentrer juste les eaux après le charbon et tout, genre on s'en fout. Je te dis coucou depuis le Brésil. Merci Captain Emmerich.
Fais du rush sur Funcraft. Non, j'aime pas le rush. Ok, donc là, ça a l'air de bien marcher. Je suis content. Maintenant, il faut faire slash home usine. Cheyenne Sharaf. Salut Fuse. Je te suis depuis les 800K. T'as fait un sacré bout de... les 80K, pardon. t'as fait un sacré bout de chemin depuis Soon. Depuis Soon, les 800K. GG, merci. Bah écoute, ouais, bah ça fait 10 fois plus, quoi, que depuis que tu m'as connu. Donc j'espère. Alors mince, là j'ai fait une connerie. C'est pas ça qu'il fallait que je mette. Ce qu'il fallait que je mette, c'était celui-là. Merde, celui-là. Voilà. Donc là maintenant il commence à avoir des eaux. Et normalement avec ça, voilà, on commence à générer de l'électricité à partir des eaux. Maintenant ici on a un disenchantment generator qui est pas terminé. On a le overclocked generator qui est en bonne voie, je trouve. Ouais, voilà, on a bien avancé, du coup on a automatisé un truc en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon clipboard et je vais dire que le Death Generator, il est automatisé. Donc là pour l'instant on a réussi à automatiser. Bon, Anthony Hugeek, je lirai pas ton don parce qu'il y a un numéro de téléphone dedans, donc je sais pas qui il est, donc je vais pas le lire. Maxime Genoux, objectif 800K, dédicace à toute l'équipe de Squad PVP. Bah merci en tout cas, Maxime. Paul Gray. Vivement les 800K, wouhou, PS, vivement les tâches pour Didier, et au revoir le live. Bah écoute, au revoir, je sais pas si tu pars, mais... coucou ma map, jeudi, non désolé, jeudi c'est le... Mais la banane qui game, en vrai j'ai pas regardé ta map, hein, je sais pas si je la ferai ou pas, mais non, jeudi c'est l'épisode de Minecraft modé du coup. Abraham, merci beaucoup, 50€, merci, salut Fuse, quand tu es comme ça, bah écoute, merci, ça fait plaisir. Alors, on n'est pas loin du premier objectif en vrai. Hein. Le premier objectif de la soirée, normalement, c'est... C'est... Les 798 650 abonnés. Et on va ouvrir 15 lucky blocks à l'intérieur de la base. Donc, ouais, il nous en manque 200, quoi. Donc, on n'est pas loin du tout. Palladium, sérieusement, il me bug à mort. Alors, en fait, là, on est vraiment en train de bosser sur les lags. Donc, normalement, les lags, d'ici 2 semaines... devrait être largement atténué, c'est-à-dire que là TerraWex il bosse pas à plein temps mais il bosse énormément sur les lags. Donc normalement, si tout se passe bien, normalement on devrait pas mal avancer. On devrait avoir fait pas mal d'avancement au niveau des bugs et des lags d'ici 2 semaines. Oula, X-Men, comme ça fait 100€, bah merci beaucoup, du coup t'auras ton panneau sur un bloc de draconium, mais merci beaucoup. Salut Fuse, alors prêt pour les 800K, j'ai une chaîne, tu pourrais regarder, moi aussi j'aimerais être youtubeur, salut, je te kiffe quand tu es comme ça. Je te promets pas de regarder, mais j'essaierai si j'ai le temps, mais merci beaucoup en tout cas. Bon, je profite pour faire une petite pub, je vous rappelle qu'à 800 000 abonnés, il y a Viking qui nous fait une surprise dans notre base, et j'aimerais bien savoir ce que c'est, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne... Bah écoutez, je vous invite vivement à le faire. Si ça vous intéresse, évidemment. Mais ouais, on n'est pas loin. Salut Fuse, j'ai loupé quoi? T'as pas loupé grand-chose pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a juste fixé les objectifs qu'on allait faire pour cette soirée, donc les paliers d'abonnés et ce qui se passait à chaque palier d'abonnés. Mais à part ça, c'est tout. Tu peux faire avec des vidéos avec Furious ou Oxylac. Je crois que... Bon, avec Oxylac, pourquoi pas. Enfin, j'en ai déjà fait avec Oxylac. Après, Furious, je suis pas en contact avec lui, donc... Donc, je ne sais pas. Alors, on va faire un petit peu de déco ici. Parce que la déco... En vrai, je préfère faire de la déco en live. Parce que c'est assez difficile, en fait, pour les gens qui arrivent entre-temps, de comprendre ce que je fais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident toujours, en fait, ce que je fais. Hein. Captain Emmerich, salut, je te suis depuis ta première vidéo. Bah, merci beaucoup, Captain Emmerich. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais dans tout cas, merci. Petit message d'une amie, Lily33, salut Fuse, t'es mon youtubeur préféré, je t'adore. Bah, merci beaucoup, Beyond Kev. Et merci aussi, du coup, à Lily33. Finesse49, merci. Fais du Fortnite. Alors, le truc avec Fortnite, c'est un truc de ouf, c'est que... Il y a plein de gens qui me demandent d'en faire, et il y a plein de gens qui me demandent de pas en faire. Alors, je comprends pas trop l'intérêt de demander de pas faire quelque chose, mais après, enfin, après, je peux comprendre, mais... Enfin, là, dans l'immédiat, je fais pas de Fortnite. Maxime Genoux, une dédicace à Alexandra Herman Tanner. Merci beaucoup. Merde, hop. Salut, et bientôt GG pour les 800 000. Merci beaucoup, Dianos Gaming.
Rochender, j'ai une petite question. Comment tu fais pour avoir de la motivation pour faire tes montages? Perso, j'ai du mal à faire. Je mets 4 jours pour en faire un. Bah, après, une fois que t'as l'habitude, hein. Après, moi, c'est pas la partie que j'aime le moins, le montage. Moi, j'aime bien faire des montages, mais en fait, c'est surtout au niveau du temps que ça pose problème. Parce que là, niveau temps, ça devient de moins en moins gérable, en fait. Faudrait relier l'ascenseur à l'entrée, c'est-à-dire relier l'ascenseur à l'entrée. Je vois pas ce que t'essayes de dire là-dessus, par là. Ok. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu là-dessus, quand même, sur l'ascenseur, parce que c'est vrai que l'ascenseur... En vrai, je crois qu'ici, on va faire... Parce que là, en gros, ça va être le deuxième hall d'entrée. On a un hall d'entrée ici, et on a le hall d'entrée qui est en bas. Et regardez ce qu'on a fait au niveau de l'ascenseur pour le hall d'entrée qui est en bas. On a fait un espèce de truc un petit peu design. Je pense qu'on va faire à peu près la même chose en haut, parce que c'est vrai que là, le design de ce truc-là, de cet ascenseur, moi, je l'aime bien. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant... Là pour l'instant au niveau de l'ascenseur, enfin je veux dire c'est pas hyper, enfin ça va pas trop dans un hall d'entrée, donc je pense qu'on va retirer cette partie là. Et en gros je vais refaire le même, je sais pas si je ferai exactement le même design que ce que j'ai fait en bas, mais je referai un truc dans ce genre là. Laria Reiter, merci beaucoup pour ton nom. Fuse le lucky block. Ben non, les lucky blocks, c'est, j'ai dit, c'est à... Attends, tu sais quoi, je vais mettre l'objectif, le prochain objectif en dessous du truc pour que les gens soient au courant, parce que du coup, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde. Comment on fait dupliquer? Dédicace, please. Bah, merci beaucoup, Hervo. 24 heures en une journée. Merci beaucoup pour ton nom. Voilà, objectif. Deux points. On va mettre combien? On va mettre 798 650. Lucky blocks. Donc, on ouvre 15 lucky blocks dans la base. Si jamais on passe ça. Voilà, ça c'est le prochain objectif. Parce que du coup, je pense que les gens qui arrivent en cours de route, ils savent pas exactement le truc. Donc voilà, hop, on va essayer de mettre les deux titres à la même taille. Voilà. Bon, c'est assez dégueulasse, mais ça marche. Fuse, la perfection Minecraft, GG800K, bon, on n'y est pas encore, mais bientôt. Tilwood1976, merci beaucoup pour ton dollar canadien. Je sais pas si on va faire full Minecraft modé ce soir. Je pense qu'on peut peut-être soit aller faire un petit peu de Palladium, soit faire un peu de... Pourquoi pas un peu d'Epixel? C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé sur Epixel. On peut peut-être se tenter le nouveau mode de jeu Battle Royale, là. Si vous êtes chaud, je sais pas. Je ferai un petit sondage après, une fois que j'aurai un petit peu avancé sur la décoration. Mais avant je fais un peu de déco. Bien ou quoi, t'as révisé l'algo pour demain? Bah non, j'ai rien révisé. Fais un salto arrière STP. Bah écoute, ça c'est l'objectif des 800K. Je sais pas si on va y arriver d'ailleurs au passage, parce que... Combien de temps que je stream? Ça fait combien de temps? Ça fait 44 minutes. 44 minutes, on était à combien? Là on a fait 300... 400 abonnés en... Ah ouais, ça va en vrai, ça va. On fait 100 abonnés par... 10 abonnés par minute, je crois, on fait. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas si on y arrivera, mais...
Mais au pire, c'est pas grave, on s'en fout, on verra bien. Alors. On va chisel tout ça. Ok. Il fait chaud en vrai. Wesh, les sushis, tu prends quoi? Qu'est-ce que... Finesse, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, ouais, non, pas de sushis ce soir, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai bouffé un gros taco s'énervé ce midi, donc j'ai pas très très faim. Mais ouais, du coup, pas de sushis. fais un salto rien, j'ai déjà répondu. Mixo Game, salut, j'ai loupé quoi, genre tes vidéos? Alors en gros, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on essaye, si possible, de passer les 800 000 abonnés, parce que j'ai reçu un message, en gros. J'ai reçu un message dans ma base, je vais descendre tout en bas. J'ai reçu un message dans ma base qui disait qu'en gros, Viking, il allait me préparer une surprise si jamais je passais les 800K. Alors, j'aimerais bien pouvoir les passer ce soir, comme ça, au moins, on aura la surprise ce soir. Après, je sais pas si on y arrivera, on verra bien. Et du coup, voilà, c'est l'objectif du soir. Alors, salut, j'ai loupé quoi, donc voilà. Et du coup, il y a aussi d'autres objectifs, donc par exemple, là, si... Bah, dans 100 abonnés, là, je devrais faire péter des Lucky Blocks à l'intérieur de ma base, ce qui, bon, voilà, me plaît moyen. Même pas tu dis merci de m'intuper le crous. Non, ça marche pas comme ça. connais-tu le serveur Funar Wambi? Non, je connais pas. Netifé Tifol. Merci beaucoup. Attendez, je vois plus le chat. À chaque étage, il y a un trou au-dessus de la porte de l'ascenseur, ça me perturbe. Je pense que tu veux parler de... Qu'est-ce que tu fais, Norman, à embrouiller Didier, là? Attends, tu joues à quoi, là? Il est parti où? Il est là. Putain, il m'attaque! Putain, pauvre Didier, là. Eh, hey, Didier, défends-toi, hein! Attends, on va le passer en mode attaque. Normalement, il est censé pouvoir se défendre tout seul. Hein. Comment on fait? Il faut le passer en mode guard. Et en mode... Et en mode hunting et wandering, sitting, following. Okay, Didier va nous suivre pour le reste de l'aventure. Comme ça. Regardez, putain, il est trop stylé, Didier, il nous suit. Pas de son MC, au pire, tu mets une musique de fond. J'ai pas de son, y a pas de son MC. On va regarder ça. Tu es pour quelle équipe de foot en France? Je regarde pas le foot. Mais si, elles sont de Minecraft, qu'est-ce que tu racontes? Il est pas hyper fort, mais après, s'il était trop fort, ça serait chiant. Salut Fuse, je t'adore, tu es mon youtubeur préféré. Bah, merci beaucoup, Lucas. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas des gens connectés sur les serveurs? Attends, je vais regarder si peut-être sur l'autre serveur, il y a peut-être du monde. Ça pourrait être fun. Il y a trois personnes, il y a Goldorak, Viking et il y a March42 qui sont connectés sur le serveur. On va aller jeter un petit coup d'œil. On va aller jeter un petit coup d'œil à ça. Je t'adore, je peux avoir un panneau. Attends, j'ai raté un nom du coup? Je t'adore, je peux avoir un panneau. Ah, désolé, 24 heures en une journée, j'ai dû rater ton nom, je suis désolé. Les panneaux, c'est à partir de 50 euros. C'est parce que sinon, le truc, c'est que genre j'ai 20 000 panneaux à poser, je me perds et tout, ça prend 3 heures, c'est trop compliqué. C'est quoi, c'est mon sniper, c'est le PGM, c'est celui-là. Est-ce que j'ai des munitions? J'ai 4 munitions là-dedans, et ça se recharge avec quoi comme munitions? Ça se recharge avec des .50 BMG. Ok, on va aller s'amuser un petit peu. .50 BMG, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, alors je vais juste poser mon stuff à l'intérieur de mon système, parce que j'ai juste peur de me faire éclater. Ok... Ok, je pose tout ça.
Bon, il faut se chauffer un petit peu parce que là on risque peut-être, je dis bien peut-être de crever, mais ça va être rigolo, normalement. Ok. Nickel. Salut, bisous de la Suisse et dédié à Valentin Knob. Bah, merci beaucoup, Daft Draft Punk. Yofu, je t'aime surtout ton travail de ouf. Bah, merci beaucoup. Bon, après, je peux vous parler un petit peu de l'état de la chaîne en ce moment. Alors, je dois vous avouer un truc, c'est que là, en ce moment, la chaîne, elle marche moins bien qu'il y a peut-être 2-3 mois. Après, c'est normal, ça a toujours été cyclique et tout. Mais c'est vrai que, franchement, ces derniers temps, j'ai passé de plus en plus de temps à bosser sur les vidéos. Et du coup, ça me fait un peu chier quand même de voir que, par exemple, notamment le truc qui m'a vraiment un peu déçu, c'était la dernière mini-série. J'ai pas mal taffé dessus. Et au final, elle a fait un score qui est assez... Enfin, je veux dire, je vais pas me plaindre, quoi. Une vidéo qui fait 200 000 vues, c'est déjà assez énorme. Mais c'est-à-dire qu'il y a des vidéos que j'ai sorties avant qui ont fait beaucoup plus de vues, qui m'ont demandé beaucoup moins de taf. Et... Enfin, c'est à moitié frustrant, quoi, de se dire que j'ai pu faire des trucs qui étaient... Bon, on va aller chez Goldoreux. Je me suis téléporté directement à partir du truc, c'est plus simple. Hein. Mixogame, pour le nom sur le panneau, mais juste Mixo, bah merci beaucoup. Alors par contre, là, je sais absolument pas où je suis. What the fuck? Je suis pas chez Goldorak du tout, là. Si, je suis chez Goldorak. On va remonter à la surface. T'as posé les balles. Ah, je suis teubé, je suis vraiment trop teubé. Par contre, là, je vais crever dans le sol. Ah oui, un truc de ouf qui s'est passé au dernier live. Et c'est un truc de ouf parce que j'ai l'impression que ça se passe à chaque fois, à chaque live. C'est que à chaque fois, on arrive à arriver dans les tendances. Sachant que je suis jamais en tendance. Alors avant, j'étais pendant une période de temps sur la chaîne, je crois en octobre et quelque chose comme ça, tous les jours, mais vraiment tous les jours, je crois qu'on a fait 27 jours consécutifs, on était tous les jours en tendance avec chaque vidéo du jour, ce qui était juste complètement ouf. Et je crois que YouTube, ils en ont eu marre en fait, de me voir tout le temps en tendance et de voir surtout en fait les youtubeurs gaming en tendance. Et ils ont décidé du jour au lendemain d'enlever tous les youtubeurs gaming des tendances. Et genre, enfin, je comprends pas pourquoi en fait, ce qui est relativement chiant, parce que si tu regardes des tendances aujourd'hui, bah t'as... Enfin, je peux comprendre que YouTube, ils aient pas envie d'avoir des youtubeurs gaming dans les tendances à chaque fois, parce que, bah, enfin, je veux dire, si t'arrives sur le site, et que t'es genre une Madame Michou, une meuf complètement random, qui joue pas du tout aux jeux vidéo et qui voit que des jeux vidéo sur la page de tendance, bon, elle va se dire, bon, bah, c'est pas pour moi, YouTube, c'est un site de jeux vidéo, je peux comprendre. Mais le... Ah, mais what? Je suis vraiment chez Goldo, là? Je suis vraiment perdu, les gens. J'ai complètement perdu. Ouais, donc, ouais, bah, c'est Madame Michou qui arrive sur le site, sur YouTube, et qui voit que du gaming en tendance, elle se dit, bon, bah, c'est pas un site pour moi, et du coup, ça... Voilà, ça arrange pas YouTube. Mais, je veux dire, c'est pas comme si, quand t'allais sur les tendances YouTube France, t'avais vraiment... Enfin, la moitié des trucs, c'est des trucs inintéressants. C'est soit de la musique... Donc pour moi, je pense qu'ils devraient faire vraiment une page YouTube tendance musique pour les gens qui veulent avoir de la musique. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils enlèvent un petit peu l'esprit de YouTube dans les tendances. Parce que les tendances, quoi qu'on en dise, elles sont ultra, ultra, ultra filtrées. Je me suis fait dédicacer, merci beaucoup, va cool. Il est où mon sniper? Mais... Attendez, on est d'accord que j'ai pris les balles? Mais oui, mais je suis trop con. Ah mince, c'est pas synchronisé, les inventaires sont pas synchronisés entre les deux serveurs. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ouais, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai eu des problèmes avec la map. J'ai dû mettre une backup. Et comme j'ai mis une backup, ça n'a pas synchronisé le... Ça n'a pas synchronisé les inventaires. Bon, je vais être obligé de les synchroniser en live, en direct. Ça... J'espère que ça n'a pas foiré. Alors, je peux peut-être vous montrer. Le problème, c'est que si je vous montre après, vous allez voir l'IP du serveur et tout. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Petit coucou de la Suisse, objectif 800 000 abonnés, merci beaucoup Lyon R6, j'ai kiffé ta dernière mini-série, j'étais plié de rire toute la vidéo, franchement, essaye de refaire la même. Bah ouais, mais le problème c'est que... Enfin c'est vraiment... Bah déjà j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens qui m'ont cru, ce qui est assez ouf, mais le problème avec la... Enfin voilà, c'est que... Genre là, j'ai jamais autant bossé sur les vidéos, et du coup, enfin, ça fout un coup au moral de voir que les stats sont en baisse, et que le temps que je mets à bosser sur les vidéos, ça monte quoi. D'ailleurs, le R6, merci beaucoup, merci beaucoup pour le don quand même. Mais voilà, bon après, encore une fois, comme je dis, c'est des cycles. C'est-à-dire que sur YouTube, ça a toujours été comme... En tout cas, sur ma chaîne, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les vues, elles montent énormément d'un seul coup, et après, elles baissent sur une période, et après, ça remonte, et après, ça fait ça, et enfin, voilà, ça monte comme ça. Mais c'est vrai que quand t'es dans la phase descendante, tu sais, déjà, tu sais pas si ça va s'arrêter, tu sais pas si ça va remonter un jour.
Parce que tu peux pas savoir à l'avance. Enfin voilà, surtout que tu peux pas savoir ça à l'avance. Et surtout en fait le problème c'est que ça prend de plus en plus de temps YouTube quoi. Donc au bout d'un moment, je sais pas. Regarde ton compteur. Bah, on n'a pas passé encore. On n'est pas loin du tout de l'objectif des Lucky Blocks, mais on n'y est pas encore. Alors, je vais juste aller dans Modded Fuse. Fuse. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe si jamais j'affiche l'écran? Est-ce que je peux pas renommer? Ok, ah non, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc là, je pense que normalement, je peux vous montrer le truc. Je peux vous montrer l'écran. Bon, je pense que pas mal d'entre vous vont pas comprendre, mais je vais quand même vous montrer ce que je fais. Donc là, en gros, je suis dans les fichiers de la map, et il faut que j'aille dans Player Data, et que je retrouve mon Player Data à moi. Donc, j'actualise. C'est quoi? C'est celui-là, je crois, le mien? Faut que je retrouve mon UID. Ah oui, là je sais que ça se transforme en truc un petit peu technique, mais c'est normal. NameMC. Donc Fuse 3, mon UID c'est 96. Ouais, 96E76. Donc 96E76, c'est celui-là mon UID. Donc ça c'est. Mais en gros, là à l'intérieur de ça, il y a toutes mes stats, etc. Enfin tout mon inventaire. Donc je le mets là. Ensuite, il faut que j'aille dans Common Player Data. Ah putain, c'est. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait pendant 3 heures cet après-midi. J'ai fait des trucs genre. Ça m'a trop saoulé, c'est parce que genre la map elle a été corrompue et du coup c'est pour ça que j'ai pas pu vous sortir d'épisode de Minecraft modé aujourd'hui, c'est parce que vu que la map était corrompue, j'ai passé beaucoup trop de temps à fixer les trucs qu'il y avait et c'était genre infernal, hein, c'était vraiment infernal. Mais bon là du coup là j'ai quasiment terminé Fuse. Player Data, on va renommer ça Player Data Old et on va créer un lien. Attends, créer nouveau répertoire. Player data. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est quasiment terminé. Ça prend 2 secondes à faire en vrai, mais c'est juste chiant. Créer nouveau lien symbolique. Player data. Et on va mettre ça dans slash home slash common slash player data, je crois. Je suis pas sûr, hein. Ah d'accord, il faut que je supprime ça. Vous inquiétez pas, c'est quasiment terminé. Player data. Je sais que ça peut être chiant pour certains, mais je suis obligé. Slash home, slash common, slash player data. Ok, c'est bon. Là, normalement, si j'actualise. Player data. Ça ne marche pas. Ok. Ah! Ça me fait trop chier. Ça me fait trop chier. Nouveau lien player data slash home slash common player data et on va common player data slash home modded common. Merde, c'est ça. C'est pour ça que ça marche pas. Ça prend 2 secondes. Lien, donc player data slash home slash modded slash common player data. Ok, là normalement, voilà, là j'ai tous les fichiers des joueurs et normalement si je me connecte là du coup sur le serveur de Viking, si tout se passe bien, normalement, bon je suis sûr je regarde le nombre de viewers, on a perdu la moitié des viewers. Merci Rushunder. Après tu as ton monteur pour t'aider. Ouais mais en fait le problème c'est que là pour l'instant mon monteur il n'a pas de. Il a pas de. Enfin, il connaît pas, il sait pas encore bien monter les vidéos comme moi je les montrais. Et du coup, le problème, c'est que bah, je prends autant de temps, si ce n'est plus de temps, en fait, à remonter par-dessus lui. Alors après, sur le long terme, ça marchera. Mais en fait, j'ai deux problèmes. C'est que déjà, premièrement, j'ai du mal à prendre de l'avance, ce qui fait qu'il me faut au moins 3 jours d'avance pour pouvoir envoyer les trucs à mon monteur, ce qui est foireux. On va se téléporter sur Goldorak. Hein. Je m'embête pas. Voilà. Ok, où est-ce qu'il est notre petit poteau Goldorak là? Où est-ce que. What? Putain, mais il a fait un truc gigantesque, Goldorak. Where are you? Est-ce qu'il est dans la zone là, Goldo?
Non, il est pas. Ah, si, il est là. Oh, putain, ça bug toujours le zoom. Il me voit pas? Non! Non, 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 non! Il a un flingue aussi! Mais attends, mais il se trimballe tout le temps avec un flingue! Non! Il me fait danser! Il me fait danser! Non! Il m'a tiré dessus! Il m'a tiré dessus! Il m'a tiré. Merde, 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 merde! Non! 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 Quickscope! Merde! N'importe quoi! Non, il me tape! Il me tape! Il me tape! Non, arrête de me tirer dessus! Arrête, 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 arrête! Bon, alors Goldorak, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Slash hack, on va lui hacker son ordinateur. Hop! Non! Bon, voyons voir ce qu'il a fait. Il bosse sur quoi en ce moment là? Rush Under, moi je regarde quasiment toutes tes vidéos, je veux bien essayer si tu veux bien, bien sûr. Bah je sais pas si t'es monteur, mais enfin si tu... Bon, en fait le problème avec le montage c'est que... Genre vraiment c'est... C'est pas... Enfin faut faire les trucs sérieusement, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de quelqu'un d'extrêmement sérieux là-dessus. Qui... Enfin voilà, c'est pas genre un... Enfin vraiment ça prend du temps quoi, ça prend vraiment du temps de faire du montage, donc... Genre c'est pas... Il me faut quelqu'un... Qui soit fiable, c'est ça que je veux dire. Tu penses un jour arrêter YouTube, STP, non, je t'adore. Bah merci pour ton don, Finesse 49. Bah un jour faudra bien arrêter. Après je prévois pas d'arrêter comme ça là. Enfin je prévois pas d'arrêter pour l'instant. Mais voilà. Alors 698 650 abonnés. Bah écoutez, le premier palier est atteint les gens. Au bout d'une heure de live, au bout d'une heure de live, du coup on a. Bah, en vrai ça va. Hein. Ça va. Bon du coup là, si on continue comme ça, ça veut dire que putain mais pile au bout d'une heure de live, hein, vous êtes assez. Vous êtes assez ponctuel, j'ai envie de dire. Bon, si ça continue comme ça, c'est-à-dire qu'on va devoir passer 4 heures de live pour passer les 800 000. Mais ça se fait, les gens, ça se fait. Donc écoutez, on va aller tout de suite sur mon serveur et on va essayer d'aller ouvrir des Lucky Blocks. Nicolas Rassard, 800 000, je suis de retour. Bah écoute, bon retour Nicolas Rassard, c'est vrai que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Giovanni Maupin, salut Fius, ça va? Oui, ça va. Bon bah écoutez les gens, on va pouvoir faire le premier challenge des 650 000 abonnés. Donc premier, donc le deuxième objectif, ça sera où 699 000 abonnés et ça sera un troll du staff de Palladium. Je ne dis pas encore qui parce que sinon les gens ils vont cramer. Mais ouais. Ouais, du coup, je vais juste changer le texte. Changer le texte et je vais mettre objectif. Un prochain objectif. Je sais pas où est-ce qu'il est, le truc. Où est-ce que c'est? Attends, pourtant, j'ai qu'un seul texte et le. C'est chelou. $799K. Palladium. Ok. Bon, je vais juste supprimer du coup celui-là. Et je sais pas comment on supprime. Non, attends, je suis pas sûr de vouloir supprimer comme ça. Ok, nickel. Nickel, les gens. Ok, bon, on va ouvrir des petits Lucky Blocks, là. Et bon, ça peut peut-être potentiellement mal tourner, je ne sais pas. Donc, Lucky Block. Ah, on a des Lucky Potion aussi. Bon, on va pas faire des Lucky Potions, ça serait un peu triché, je pense. Faut vraiment ouvrir des vrais Lucky Blocks ici. Donc, on va se faire ça tout de suite. Donc, il nous faut un dropper. Il va nous en falloir 15 des droppers, malheureusement. Donc là, pour l'instant, on n'a pas assez. 15. Bon, j'en ai fait un petit peu en plus. Lucky Block. C'est y part. Donc, on va se faire les... Ah, merde, on n'a pas d'or. Je sais qu'on a de l'or, regardez, on a 1300 minerais d'or, mais il faut juste le faire cuire, donc on va le faire cuire. Hop, 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 on pulvérise, hop, hop, on pulvérise. Alors, on va voir ce que ça dit dans le chat. Avec quoi tu fais tes montages? Avec Premiere Pro. Salut, je suis nouveau, tu fais quoi comme vidéo?
T'es nouveau sur la chaîne. Ça, c'est assez rigolo en fait de voir. C'est, ce qui est assez drôle en vrai, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens nouveaux sur la chaîne bah, tous les jours en fait. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais du Palladium, c'est du PVP faction modé. Et je fais du Minecraft modé, c'est du Minecraft modé. Puis après, je fais des vidéos un petit peu soit rigolotes, soit informatives sur le thème de Minecraft. Voilà, je pense que c'est une bonne définition de ma chaîne. S'il y a des gens qui ont une meilleure définition, je suis preneur, mais ouais, non, je pense que c'est correct. Tonio Manga, pour les dons pas là plus stuff égale énigme ou énigme slash épreuve. J'ai pas compris ton commentaire, Tonio. J'ai reçu un message. Hop. Alors. Nickelo. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et putain, il nous manque juste un tout petit peu d'or pour en avoir 15. Tu feras quand les panneaux? Les panneaux, je les fais. Je pense que je vais faire une première fournée dans 30 minutes et après je ferai une autre fournée. Rushender, je me doute bien surtout sur une grosse chaîne comme ça, il ne faut pas faire de la merde au montage, c'est important. Il faut quoi pour faire une candidature pour devenir monteur? Mais en fait là pour l'instant, en gros c'est un pote à moi qui, enfin en gros c'est un pote à moi que j'ai recruté pour faire du montage, Mais bah, après ça dépend en fait, c'est-à-dire que si jamais faut que t'aies un bon niveau en montage, il faut déjà que tu aies fait des projets, après tu peux toujours envoyer un mail. Le seul truc c'est que pour l'instant là j'essaye de voir avec justement mon pote si jamais il arrive à se débrouiller, à faire ce que je lui demande. Si jamais il y arrive pas, bah après j'essaie de trouver quelqu'un d'autre. Mais après j'ai déjà eu d'autres candidatures en fait de monteur, donc après tu peux toujours m'envoyer un mail avec ce que tu sais faire, ce que t'as déjà fait. Et je regarderai si jamais j'ai besoin d'un autre monteur. Tu préfères pas beaucoup de stuff et plein d'épreuves? Bah si, enfin je sais pas, c'est pas clair. En fait c'est pas clair ton truc. Sinon je te fais et je te sonne par mail. C'est-à-dire tu me fais quoi, Rushender? Flash Gaming, c'est Fuse, à quand la FAQ, t'es mon youtubeur préféré? Bah je sais pas, j'ai déjà fait plusieurs FAQ, hein. J'ai déjà fait deux FAQ sur la chaîne. Donc voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Alors ici, ouh, un œuf de dragon, nickel. Bon, on a déjà plein des œufs de dragon en vrai, donc on a plein de Keep Ocean aussi. Alors on va faire celles qui sont bien, en premier, en priorité. Oh, un cheval, mais what, qu'est-ce que c'est que ce cheval? Ça c'est un chapeau ça? Ah, j'arrive pas à monter dessus. Attends, si je le tue, est-ce que je récupère un chapeau? J'ai même pas récupéré de chapeau, c'est nul. Alors j'ai des Lucky Potions à moins 100%. Est-ce que je les tente? Allez, on va les tenter. Alors, c'est pour le live des 800 000. Non! Non, merde! Non, c'est la street. C'est la street. Qu'est-ce qui... Oh, merde, j'ai des effets de poison, effets de blindness. Oh là, quel bordel. Non! Et heureusement que j'ai mon armure super abusée. Hein. What? Ça fait une explosion. Ok. Ok, je crois qu'il peut pas y avoir d'explosion dans ma tour en fait, parce que j'ai un truc anti-explosion. Mais c'est chaud quand même. tu lèves jusqu'à quelle heure? Bah dans l'idéal jusqu'à ce que je dépasse les 800 000. Après, ah le premier sponsor! Ah oui c'est vrai, j'ai activé les sponsors. Bah écoute, bah merci beaucoup Tonio Manga, t'es le premier sponsor de la chaîne. En vrai les sponsors, j'ai mis... Enfin, en fait je sais pas ce que ça donne, si c'est vraiment très utile ou pas, mais c'est cool. Alors est-ce que c'est vrai que ça passe la nuit? Mais en tout cas, merci beaucoup Tonio Manga. Bah écoutez, voilà, premier sponsor de la chaîne. C'est cool. Je te donne 1000 balles si tu fais un live 24h. Je pourrais pas faire un live 24h, déjà premièrement parce que demain j'ai des partiels. Donc je préfère quand même aller au partiel plutôt que de faire un live 24h. Et parce que de toute façon je serais trop fatigué, donc ça ne marche pas. Mais un jour j'en ferai, un jour. Hero Villager. Alors il me permet d'échanger du diamant contre des outils. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit peu de stuff. Rushender, je monte pas, c'est... Par contre... Ouais, quoi? Merde, non, merde. Non! Je te montre ce que je sais faire, par contre, Team Sony Vegas Pro. Ouais, mais moi, j'utilise Premiere Pro, du coup, pour travailler en même temps, ça va être compliqué. Beyond Kev, bah merci beaucoup pour ton... Pour ton sponsor. C'est vrai que j'avais jamais pensé à activer les sponsors, parce qu'en fait avant je faisais pas assez de live pour être sponsor, enfin pour activer les sponsors, mais maintenant du coup vu que je recommence à faire un petit peu plus de... Enfin là en gros je fais quasiment un live par semaine, un live toutes les deux semaines, je me suis dit que ça vaudrait un petit peu le coup, mais du coup il faut que je rajoute des émotes et des trucs comme ça en plus, pour que ça soit vraiment intéressant quoi, parce que là c'est juste, c'est comme si vous me faisiez un don quoi. Mais après je pense que j'essaierai de rajouter des trucs et tout, mais franchement c'est dommage parce que...
YouTube, ils sont pas vraiment démarqués de Twitch, et là ça aurait pu être vraiment un gros avantage pour eux, mais ils sont pas du tout démarqués de Twitch concernant les sponsors. Enfin, les sponsors, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, maintenant, enfin, c'est exactement la même chose, quoi. Ils ont vraiment juste copié le truc sans chercher plus loin, c'est vraiment dommage. Pourquoi t'as des cœurs orange? Bah, je sais pas, j'ai ouvert un Lucky Block qui m'a donné des cœurs orange. Bon, par contre, là, il me saoule un petit peu, là, ces moutons. T'as, qu'est-ce qu'il fait, lui? T'as, c'est quoi ce bordel? Oh, merde, merde. Oh, c'est... Hey, je pense qu'on peut faire un truc trop marrant. Si on arrive à pousser les cochons dans la cage d'escalier. Putain, ils ont vraiment pas de vie, ces cochons, hein. Non! Oh, putain. Ah, mais non. Eh ben, tout est mort d'un seul coup, quoi. Putain, je savais pas que ça se propageait comme ça, en fait, les dégâts de chute. Comment on devient de son sponsor? Bah, je sais pas, normalement, il y a un bouton pour... Je sais absolument pas. C'est la première fois que j'active ça, donc... Donc, je ne sais pas. Ok, hop. On a de l'opsy. On a des loups. Et on a des Lucky Potion. Yay! Fais une salle avec la tête de tous les mobs. Ça, je sais pas si ça a trop d'intérêt. Putain, les pauvres loups. Maxime Genou, comment on fait pour être sponsor? Y a un... Ah bah tiens, voilà. Willy 1370, merci beaucoup pour ton sponsor. Putain, c'est le bordel ici. Oh, c'est le bordel. C'est l'énorme bordel. Oh là là, je suis pas responsable de ça. Normalement, si t'actualises la page, peut-être qu'il y a un bouton pour devenir sponsor, je sais pas, je crois. Bon bah voilà, on a fait notre objectif des 600 et quelques mille abonnés, donc c'est nickel. Maintenant il n'y a plus qu'à passer le cap suivant qui est les 699 000 abonnés. Bon bah ça va, en vrai ça monte bien quoi. Alors ah bah tiens, ah c'est stylé, je savais pas que quand tu parlais que t'étais sponsor, t'avais un petit... ah oui d'accord, donc en fait ça change la couleur de ton pseudo. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Alors je ne sais pas, franchement je connais pas assez bien les trucs des sponsors. Je vais essayer de me renseigner un petit peu, mais je sais que en gros les sponsors, ce que je peux faire, c'est que je peux changer l'icône des sponsors et je peux aussi rajouter des smileys en plus, enfin des emojis en plus. Alors je l'ai pas fait encore, j'essaierai de le faire pour le prochain live, mais c'est vrai que c'est assez stylé. D'ailleurs, look up. Ah oui, c'est le truc qui m'est tombé sur la gueule. Moi, je sais par exemple que sur mon Discord... Oula, j'ai reçu plein de messages. N'oublie pas de link tes sponsors à ton Discord. Ah oui, merde. Je sais pas comment on fait. Faudrait que je demande au modo si ça fait. Parce que mon Discord, c'est pas moi qui l'est. Comment ça s'appelle? Qui l'est configuré, donc je connais pas assez. C'est à partir de combien pour un panneau de donateur? 50 euros. Tu peux aller troller Viking? Bah je peux, mais je sais pas si ça va marcher. Hein. Est-ce que j'aurais pas un AK-47? Si j'ai un AK-47, on peut-être s'amuser un petit peu chez Viking. Pourquoi tu mets des flèches sur tes miniatures? Elles sont moches et inutiles. T'es le best youtubeur quand tu fais tes vidéos, je suis depuis pas la saison 2. Moi perso, je trouve que c'est une sorte d'esthétique en vrai de mettre des flèches. Hein. Alors après, les gens ils aiment pas. En fait, il y a un truc qui me saoule un petit peu sur YouTube, c'est que genre, si tu mets des flèches sur tes miniatures, genre t'es catégorisé genre youtubeur de merde, putaclic et tout. Alors que en vrai, enfin, je veux dire, c'est juste une flèche quoi. Genre, il y a quelques années, tu mettais des flèches sur tes miniatures, personne te disait rien. Mais je sais pas pourquoi, il y a une sorte de. Enfin, ça me saoule un petit peu, quoi, cette mentalité de « Ouais, tu mets des flèches sur tes miniatures, c'est de la merde. » Alors qu'en vrai, une flèche, c'est... Enfin, je veux dire, c'est juste une flèche. Et en vrai, mes miniatures... Enfin, en toute honnêteté, en toute... comment ça s'appelle? Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Putain, j'ai cru qu'il allait tuer mes villageois. En toute honnêteté, moi, je trouve que le fait d'avoir des flèches, c'est... Ça rend bien, enfin, je veux dire, ça, c'est pas mal. Moi perso, j'aime bien mes miniatures. J'aime bien mes miniatures parce que... Bon, là, ça fait un peu le mec qui se la pète et tout. Ouais, moi, mes miniatures, elles sont trop bien et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je trouve que ce qui est bien avec mes miniatures, c'est que... Tu vois directement que c'est une vidéo de moi. C'est-à-dire, voilà, la miniature, elle a un gros texte en blanc avec... Attends, je vais vous mettre ça. Bon, là, on commence à partir un petit peu en mode... en mode discussion, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de mes miniatures, mais moi, perso... Merde. Wow. Ça fait caméraception. Ouais, du coup, au niveau des miniatures... Certes, ça fait un petit peu putaclic. C'est-à-dire que... Il y a toujours une petite flèche avec un texte. Alors, évidemment, il y a toujours
le running gag de la flèche rouge qui est que, ouais, attends, une flèche rouge, c'est du putaclic. Mais moi, personnellement, mes miniatures, je les trouve pas spécialement putaclic. À part le fait qu'il y ait une flèche. Mais en soi, le fait qu'il y ait une flèche, je vois pas pourquoi est-ce que ça. Je sais pas. En vrai, je suis mitigé. C'est vrai que j'ai longtemps hésité avant de mettre des flèches sur mes miniatures. Bon, là, ça fait quand même ouais, un an, quasiment 2 ans que je mets des flèches sur toutes les miniatures. Mais vraiment, sur toutes les miniatures. Hein. Je crois que là, sur les 6 derniers mois. Genre, vraiment, sans déconner. Sans déconner, sur les 6 derniers mois, je crois que. Il y a que cette miniature-là sur laquelle j'ai pas mis de flèches. Donc. Et que j'ai pas mis de texte aussi. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien avoir un truc, enfin moi, je sais pas, mais je les aime bien ces miniatures, et en vrai, bon, je sais pas, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Oula, putain, j'ai raté plein de dons, je suis désolé, attendez, je vais me rattraper. Tonio Manga, on attend les emojis, hashtag premier sponsor, bah écoute, c'est cool. Darkid, tu es nul, tes vidéos sont mauvaises, tu ne mérites pas mon argent, et tu pues. Signé un des clones du rageux mystère. Bah écoute, merci Darkid. C'est très constructif en tout cas. Moi je sais que c'est du troll, mais voilà. Ahmed, t'es un bon youtubeur quand tu es comme ça, merci beaucoup. X-Men, ça fait 160€, tu es mon youtubeur préféré, je te suis depuis tes 120 000 abos. T'as vraiment une part. Hein. Mais bah merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Tu peux me faire une dédicace STP s'il est dédié à Fuse. Bah écoute, dédicace, t'as ta dédicace à Lenny Production. Bon, est-ce que je tue le chien? Bon, alors. En fait, je crois que, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, je crois que le compteur d'abonnés en live, il est buggé. Parce que regardez, là ça affiche 798 725 abonnés, sauf que si je vais sur ma page de ma chaîne, regardez, on est à 799 147 abonnés. Donc, je sais pas si quel compteur je dois croire, mais je pense... Je dis bien, je pense qu'on a passé les 799 000 abonnés. Donc, on va partir du fait qu'on les a passés. Et on va faire le troll dont je vous ai parlé. Parce que, voilà, j'avais promis un troll quand on passerait les 799 000 abonnés. Troll du staff de Palladium. Et j'ai ma petite idée sur ce qu'on va faire. Donc, attendez, je vais juste enlever l'écran. Voilà, histoire que vous voyez bien. J'ai réfléchi à mon troll. Il y a une chance sur deux pour que ça passe pas, parce que le truc, c'est que, étant en live, le problème... Attends, j'ai pris des dégâts. D'où est-ce que j'ai pris des dégâts? Il y a personne de connecté, pourtant. Ouais, étant en live, le problème, c'est que, bon, si la personne que je vais troller regarde le live, elle va se douter du troll. Et surtout, si jamais je commence à lui parler et que je suis en live, même si elle regarde pas le live, elle va se dire, bon, il est en live, du coup, il me troll. Mais... Ok. Il y a franchement... quasiment toutes les chances pour que... Ok. Bon, je sais pas du tout si ça va marcher, mais si ça marche... Si ça marche, c'est énorme. Ça sonne, là, ça sonne. Faut que ça réponde après aussi. Bon, après, le truc, c'est qu'il va savoir que je suis en live, je pense. Non, tu es assis sur mon siège. Ça sonne, les gens, ils répondent pas, c'est chiant. Benjamin Serre, modérateur KiwaxYT, salut, tu fais quoi dans le live? J'essaye de passer les 800 000 abonnés, sachant que 800 000 abonnés, normalement Viking vient me faire un troll ici, donc je sais pas du tout en quoi ça consiste, donc c'est pour ça que je me demande ça. Ok, bon, il répond pas, je vais l'appeler carrément sur son téléphone. Merde, putain, mais je suis con, j'ai appelé sur Discord, mais sur téléphone, non, il faut que je l'appelle sur son numéro de téléphone. Pour devenir sponsor, ça coûte 4,99$ canadiens ou 3,17€. D'accord, merci. Merci pour l'info, Willy. Bien Kev,
Fais la suite de ton live sur Pala pour faire des dons. Je viens de t'envoyer le mail. Est-ce que tu pourrais le faire dans le prochain épisode si tu n'as pas le temps de le faire? Alors, je vais faire un sondage après pour savoir si vous voulez que je continue sur Palladium. Mais avant, j'aimerais bien réussir mon troll. Parce que voilà. Je sais pas du tout si ça va passer. Ça se trouve, ça va être une catastrophe. Hein. Bonjour. Je te dérange là? Ouais, bon, tu vois, genre, je voulais juste parler d'un truc là, qui, ça me saoule quoi. Genre, bah t'as vu hier les problèmes qu'on a eu sur le serveur là? Les plantes, attends, excuse-moi. Attends, je Les me dis, les plantes. problèmes qu'on a eu là avec Oui, la dupli et ah, tout. oui. Je trouve que ça me casse trop les couilles là, il y a encore eu un bug et tout, genre. Ça me gaffe trop. Ah ouais? Ouais, je crois que je vais. Je sais pas, j'en ai marre là. Mais comment ça? Bah, je sais pas, gros, mais ça me casse les couilles, quoi. Genre, à chaque fois, on taffe sur Palladium et tout. Genre, le truc, ça marche pas, ça bug. Il y a toujours des mecs qui... Non, ça me fait trop chier, quoi. Genre, toutes les semaines, il y a un problème, il y a une histoire de duplication. Après, on est obligé de passer la nuit à bosser dessus. Enfin, franchement, ouais, ça vaut plus le coup, quoi. Mais tu veux faire quoi du coup? Tu veux qu'on arrête? Bah, franchement, ouais, j'hésite, tu vois. Mais MDR, à quelle heure? De quoi? Et depuis. Mais pourquoi il y a encore eu un bug de dupli hier soir? Non, Après là que ce je sois matin, parti. là, ça casse trop les couilles. Bon, en gros, pour Ah ceux qui ouais! comprennent pas, là, je suis en Ah c'est train de relou! troller sur Histos. Alors, On a tout réglé ou pas? j'espère que ça s'entend. Allô? Bah. Attends, je peux te rappeler sur Discord ou pas? Ouais, carrément. Vas-y, vas-y. Je t'entends mal. Bon, en gros, bon, j'espère que vous entendez bien, mais en gros, là, j'appelle sur Histos et je vais lui faire croire qu'on va fermer Palladium parce que y a trop de bugs de dupli. Il y a trop de bugs de dupli, c'est le bordel et tout. Franchement, si ça va. Là déjà, je suis content parce qu'il savait pas que j'étais en live. Donc, voilà, il m'appelle. Bon, ça se trouve, il va s'en rendre compte et il va essayer de me troller en retour, ça c'est possible aussi. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, nickel. Mais attends, excuse-moi parce que je t'entendais pas du tout avec mon téléphone. Ouais. Mais là, le serveur, moi j'étais en train de tourner, là, il marche plutôt bien le serveur. Enfin, ça lague un peu, il n'y a pas trop de monde, mais ça va sinon. Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est trop chiant, quoi. Tous les problèmes, genre, franchement, j'en ai trop marre. Bah, c'est même moi un peu, mais. Que tu veux que je te dise, hein. Genre, je pense que Mais je sais pas. faut qu'on prenne un peu de temps pour le serveur. Ouais, mais tu vois, franchement, je sais pas si ça vaut le coup, tu vas te continuer à bosser comme ça, comme des oufs, pour au final avoir des trucs qui bug, tu vois. Bah au pire, mais tu vas, mais enfin ouais, je suis un peu, Bah, mais je sais pas. pour du jour au lendemain comme ça. Bah, je sais pas, mais enfin, en gros, tu vois, ça fait quelques temps que j'y réfléchis, tu vois, parce que depuis la V5, avec tous les problèmes de. Après, Tous les problèmes je de peux comprendre, lag, mais tous tu vois, les problèmes de dupli, même tous moi les je suis problèmes saoulé, de. hein. Moi, Minecraft, ça me saoule. Toi, t'as d'autres séries qui marchent mieux que Palladium. Genre, je pensais à Minecraft modé. Moi, je comptais arrêter un peu Minecraft et tout. Je pense que peut-être que. Après, je sais pas, arrêter, c'est Ouais, un peu mais là, tu vois, extrême. j'ai envie de tout arrêter, tu vois. Mais tout Palladium. Non, Palladium, YouTube, enfin, j'en ai trop marre, là. Mais mec, on dirait que tu vas chier de fait que. Mais, je sais pas, gros, genre, là, je suis perdu, tu vois. Mec, t'as 800 000 abonnés, enfin presque, genre à quelle heure, hein, genre, enfin, t'es bien, mec. Je sais qu'avec les cours c'est compliqué, bien c'est bientôt fini, t'es tranquille. Enfin, t'étais bien là. Enfin, moi, je te dis, je t'ai juste dit de te diversifier un peu, mais t'es bien. Enfin, faut pas commencer à tout arrêter. Ouais, mais moi je pensais, tu vois, me lancer à plein temps dans le stream. Ah ouais? Parce que tu vois, là. Genre là, maintenant, là, je fais un stream, tu vois. Ah ouais? Et ça marche bien, tu vois. Mais t'es en live là? Ouais? Et t'es en train de me prank? Ouais? Ah, et tu veux que je te dise un truc? Bah, je t'ai double prank, moi aussi je suis en train de break parce que j'avais capté que t'étais en live. Oh là là, Non!
Non, je savais, je savais, je savais, c'était évident. Alors. Putain, t'es relou, t'as pas fait durer le truc tout longtemps. Mais oui, mais enculé, moi j'avais plus d'idées, moi, putain. Mais moi j'allais partir dans les trucs un peu plus extrémistes encore, je sais pas, t'étais là. Tu voulais faire quoi? Tu voulais faire quoi? Mais je sais pas, moi je voulais commencer à dire, ouais, de toute façon, c'est devenu de la merde, tout le monde me casse les couilles et tout, tu sais, commencer à faire grand drama, tu vois. Oh là, dommage. Ah bah là là, t'as pas fait durer le prank assez longtemps. Ah mais non, mais je savais, en plus c'était évident que t'allais cramer, tu vois. Est-ce que... Mais je t'ai fait craquer, je cramais pas en plus pour... pour une fois. Mais tu t'as cramé depuis le début, je suppose. Mais en fait, comme j'ai regardé il y a genre une heure que t'étais en live, quand tu m'as appelé et que t'as commencé à me raconter des conneries, je suis en train de me faire une connerie. Depuis quand tu m'appelles quand t'as un truc à me demander, ça. Genre surtout sur mon téléphone, genre pour m'appeler trois fois. Mais je t'ai appelé trois fois, je t'ai appelé une fois, t'as répondu oui, instant. Oui, t'as appelé deux fois sur Discord. Est-ce que t'as passé les 800 000 abonnés du coup? Bah je sais pas, parce qu'en fait genre sur le compteur en live, je suis toujours à 798 000, mais après si je vais sur ma chaîne, là je suis à 798 999. Ah, bah, ah merde, ah oui non, 798 000, ah what. Ah d'accord, donc c'est redescendu, ah non bah du coup on est peut-être pas assez... Ah je sais pas. Bah, du coup, là, ça a passé les 799 000 là, sur le compte sur YouTube. Bravo, c'est... Je ne sais pas comment ça marche. Excellent, c'est d'une excellence, pas possible. Ah là là, le prank. Quel beau prank, vraiment. Retour de prank. Nous deux, le jour où on arrivera à ce prank, il va se passer quelque chose. Non, t'inquiète pas, franchement, je me vengerai de ton prank là, que tu m'as fait il y a un an. Là. Ah, celui qui est sur ma chaîne YouTube. Ouais. Celui qui a fait beaucoup trop de vues. Et bah, mon gars, franchement, le prank que je vais te faire en retour, mon gars, il va être... Tu sais que ça fait peut-être 6 mois que tu m'en parles et que j'ai... Ah bah oui, toujours. Mais ça fait 6 mois, mais en fait à la base j'étais censé faire le truc avec Zoldru. Vous allez sonner chez moi. Oh là, ça va être insane. Va être on va te kidnapper. Comme Bad Flunch. Après on va te jeter dans la scène et puis on va voir comment tu débrouilles. Bah ça tourne mal, il meurt, explication. Ça va être compliqué. Bon, bah du coup, je te laisse. Moi je vais finir en live. Parce que j'étais en train de tourner une série. J'ai un petit loustic qui est en train de faire un colorage magique pour éviter de prendre 90 jours de ban. Donc il serait peut-être temps de. Qu'il se dépêche. Tranquille. Allez, bah, bisous. Vas-y, merci pour le prank. Bon, je m'y attendais un petit peu. Honnêtement, je m'y attendais un petit peu. Donc voilà. Alors j'ai raté les dons que je faisais pendant le troll. Merci Rake Gaming, merci Hugo Clément. Bon, il y a un numéro de téléphone donc je ne dirai pas. Pourrais-tu faire du Palladium édition MCPE? Bah non, parce qu'il n'y a pas Palladium édition MCPE, je suis désolé. Abonnez-vous à Fuse SVP, merci beaucoup. YGreenX, Heard YouTube, double prank, bah oui, double prank. CRM, merci beaucoup. Bientôt les 1 million d'abos, bah j'espère, mais bon après, faut pas trop se voir, parce que on va faire un petit sondage, est-ce que les gens veulent du Palladium ou pas? Stropol. Alors, prend qu'il se trompe dans son colorage magique. Alors, Stropol, on fait quoi? Alors, Minecraft modé. At least two options are required. Palladium ou alors ePixel. Create poll. C'est chiant parce que je crois que les systèmes là qui montrent le nom d'abonnés en direct, en fait, je crois qu'ils sont pas ils sont plus vraiment en direct parce que j'ai... Enfin, en gros, il n'y a pas les mêmes chiffres partout. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'étais sur ma chaîne, j'étais à 799 200 abonnés. Après, je suis redescendu. Enfin, je sais pas, c'est le bordel, en fait. Je comprends juste pas comment c'est compté, les trucs. Parce que là, moi, je suis affiché que je suis à 799 014 abonnés. Sauf que là, sur les trucs en direct, je suis à 798 764. Enfin, c'est le bordel. Alors, du coup, je vais vous mettre un petit stropole dans la description du live. Vous pouvez aller répondre si jamais vous voulez avoir... Les infos, comment je modifie ça. J'attends quand même la surprise de Viking aux 800 000 là, parce que je me demande un petit peu ce que c'est. Ok. Donc là j'ai mis l'Ostropole. On va attendre les résultats. Faut actualiser la page si jamais ça s'est pas actualisé dans le chat.
Résultats. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on a 50% de Minecraft modé. Ok, alors, pour l'instant, iPixel est dernier. Bon, je vais vous mettre les résultats du sondage. Allez, on attend d'avoir peut-être 2000 votes. Ouais, au moins 2000 votes. 1500 votes. Allez, 1500 votes, je considère la réponse comme validée. Donc là, pour l'instant, on est sur une majorité de Minecraft modé. Palladium qui talonne, iPixel qui est derrière. Putain, c'est trop stylé de voir le nombre augmenter, le nombre de votes. Ok, Minecraft modé toujours. Putain, ça monte. Trop stylé. 1600, tac, tac, tac. Ouais, pour l'instant, c'est Minecraft modé qui est quand même largement en tête. Merde, ça move des trucs. Ok, 1200, presque 1500. Bon bah je pense très franchement que les gens veulent continuer Minecraft modé. Ok, 1500 c'est Minecraft modé qui est devant avec Palladium. Je pense pas que Palladium rattrapera Minecraft modé. Donc on va continuer Minecraft modé, c'est cool. Bon, moi je propose d'aller peut-être avec Viking ou Goldorak ou des gens pour jouer un petit peu sur Minecraft modé. Donc on va repasser en mode Minecraft. Et on va voir ça, un petit peu ce qui se passe dans les bases des autres. Mais avant, je voulais me crafter un chargeur d'AK-47. Parce que c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, Beyond Kev, si tu viens à mon don, je suis à côté du don. Pseudo Beyond Paradox. Merci beaucoup, mais le truc, c'est que là, du coup, les gens ont voté. On va rester un petit peu sur Minecraft modé. Alors, j'ai oublié de modifier le prochain objectif. Hop, merde. Hop, je vous appelle. Ok. Nickel. Bon, du coup. C'est quoi? C'est 7,62. Ça, je crois, c'est des munitions de... Ouais, c'est des munitions d'AK, ça, je crois. Le truc, c'est que j'ai pas de... Pas de magazine. Non, j'ai pas de magazine. Mais attends, c'est chiant. Bon, en gros, j'ai pas de chargeur. Magazine. C'est quoi comme type de chargeur qu'il faut? C'est 7,62 x 39. 7,62. Donc, c'est ces chargeurs-là. Oh là là, ça va être chiant à crafter. Est-ce qu'on a du style? On en a un petit peu. Est-ce que je peux me crafter ce que je veux? Ce serait bien. Oui, je peux. Ok, nickel. Bon, là, du coup, j'ai plus qu'à recharger. Voilà, c'est chargé. Et ensuite, j'ai plus qu'à charger mon AK. Et on va pouvoir aller faire joujou. Ah, mais non, mais attendez. L'AK, elle avait déjà un... Ah, mais je suis con. Ok, bon, c'est pas grave. On va aller sur l'autre serveur, du coup. Puis on va s'amuser un petit peu. On va aller chez Viking. On attend toujours l'usine auto à munitions. Mais vous inquiétez pas, elle arrive, mais... Enfin, en vrai, là, j'ai tellement de projets en cours que... bon. Je veux bien, mais le problème, c'est que ça prend du temps. Alors, on va aller chez Viking. Est-ce que Viking est dans le coin? Peut-être qu'il est pas là. Non, il est pas là, je crois. Where is Viking? Ok, il est pas là. On va aller chez Gold... What? Qu'est-ce qui nous a fait, le Viking, là? Bon, je vais éviter de tirer ici, parce que le truc, c'est que je crois que le vert... On va juste tester... Putain, c'est... Par contre, ça fait flipper, hein. Ça, j'aime pas du tout. Voilà, ouais, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, si jamais je tire sur du vert, ça casse le vert. Donc, bon, je suis désolé, Viking, j'ai pété un de tes morceaux de vert. Mais, ouais, du coup, je vais me TP sur Goldorak, plutôt. C'est quoi, je vais faire un petit slash 7 ohms. 7 ohms, Goldo, ce sera plus simple, je pense.
Est-ce que Goldo est toujours dans sa base? Merde, je crois que oui, hein. Ah non, il est plus là. Il est plus là. Where are you now that I need you? Pauvre viking. Ouais, pauvre viking. Mais il prépare quelque chose pour notre base et ça me fait un peu flipper. Rafa Koyo, j'ai oublié de dire ton pseudo tout à l'heure, je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas de Minecraft modé avec tes abonnés? Alors en fait, le problème c'est que. J'ai envie d'aller voir March. Je peux pas? Ok. Bon, je suis désolé, je me TP sur les trucs, mais sinon, si jamais je dois faire les trucs à. Enfin, si jamais je dois me déplacer en marchant, genre ça va être trop long pour le live, donc. C'est plus rapide de toute façon, ça marche pas. Où est-ce qu'ils sont? Je vais essayer de me connecter sur TS, voir un petit peu ce qu'ils font. Tic tac tac. TeamSpeak. On peut rejoindre Palladium en 1.12. Non, on peut pas. Il faut télécharger le launcher et c'est en 1.10. Connected. Et il y a personne. Non, ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Non, il n'y a personne qui court. Bon, bah dommage. Je sais pas ce qu'ils foutent. Est-ce qu'ils ont parlé dans le chat? Je suis entre ici et ailleurs. Ok, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Putain, mais Goldo, il a fait une ferme à un truc à Under, quoi. Ok, bon. Ok, bon, on va repartir un petit peu dans notre base, histoire de faire un petit peu de construction. Sachant que là... Mais putain, c'est vraiment dommage que les trucs pour avoir le nombre d'abonnés en live, ils marchent pas correctement. Donc là, on est à 799 077 abonnés. Bah dis donc. On va peut-être passer les 800 000 ce soir, je sais pas. Merde. Merde. Ok. Alors. On va un petit peu faire de la décoration. Je pense qu'on va un petit peu décorer cette zone-là. Alors, je sais pas encore trop comment on va décorer ici. Mais on va décorer. Déjà, ici, je sais que je vais mettre des escaliers. Alors, on va mettre des... Je pense qu'on peut faire un truc un petit peu en mode... On va pas faire un truc en mode quartz parce qu'on a déjà fait ça pour la salle météo. Moi, je verrais bien un truc avec du bois. Ça me semble pas mal. Alors, il y a quoi comme type de bois ici qu'on peut mettre? Wood, on peut mettre du... Spruce wood? Non. Je réfléchis un petit peu à ce qu'on peut mettre, hein, mais... Oh, un chien! Wesh! Ok, assis-toi, toi. Je réfléchis, hein, à ce qu'on peut faire, mais... Sinon, je peux mettre du basalte ici, jusqu'au reste du mur. Bon, il n'y a pas de NZ pour nous aider sur la décoration, là, ce soir, donc voilà, hein. Bon, j'y vais, bonne soirée! Bah, salut, Rushender! Bon, vous savez quoi? Je vais faire les panneaux tant que j'y suis. Et après on pourra reprendre le live normalement. Ah mais je sais ce qu'on va faire après. Après on va faire un ascenseur. Lyon R6, t'as fait combien d'heures de live? Là ça fait 1h30 je crois. Alors pour ce soir on est... Il nous faut l'onglet communauté. Pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Mon PC crash dès que je lance les mods. Bah, c'est que t'as mal configuré le truc. Communauté. Combien d'abonnés Fuse? On est à 799 116. Super chat. Ok. Bon, les gens, franchement, si jamais on passe les 800 000, c'est ouf. Alors, bon, on va essayer de faire un petit peu le décompte de ce qu'on a eu. Rushender, alors Rushender. Merde.
Merde, merde, merde. Bon, je vais faire les gros dons pour l'instant, après je repasserai sur tout. En fait, parce que quand il y a plein de petits dons ensemble, c'est chiant à comptabiliser, donc voilà. Salut Fius, je viens d'arriver, vous avez fait quoi? Alors on a fait... Bah, on a ouvert des Lucky Blocks dans la base, on a trollé Soristos, enfin en tout cas on a essayé de troller Soristos parce qu'il nous a trollé en retour. Et là, on va... En fait, en gros, j'attends de passer les 800 000 abonnés pour que Viking fasse son troll et je me demande un petit peu ce qui va se passer. Yo, va dans la base de Nezet, STP. Ah, on peut aller... Ouais, on peut aller jeter un petit coup d'œil à la base de Nezet. Bon, je vais faire ça. Je ferai les panneaux après, vous inquiétez pas. Alors, la base de Nezet. J'ai pas encore de home, je peux me téléporter là. Oh, bah dis donc, Nezet, il a bien avancé, hein. Alors, il a fait des panneaux solaires de Extra Utilities. Alors, ces panneaux solaires, je crois qu'ils produisent du grid power, mais... Oh, mais c'est pas mal ce qu'il a fait. Il fait un petit peu un style moderne, je trouve. C'est pas mal du tout, dis donc. Alors pour l'instant, évidemment, c'est encore assez... Ouais, il n'a pas encore fait énormément de choses ici, et je vois qu'il y a des creepers qui sont passés par là. Mais, oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel ici? Ah, d'accord, en fait, il a combiné ces deux bases qu'il avait avant, et il a fait... Ouais, il a fait tout un truc. Et là, ici, il y a un gros trou qui mène, je pense, vers sa mine, c'est ça? Ah non, ah, ouais, d'accord, donc là, il a fait une espèce de grand dôme. Timio Avalanche, merci beaucoup. Comment tu peux nous appeler? Bah avec un téléphone. Alors je pense que je vous ferai envoyer votre numéro à un truc. Et après je vous appellerai en numéro masqué. Donc voilà. Tenchi Wolf, à quand les épisodes d'Efpala avec un peu de vue sur du code? Pas tout de suite, mais ça arrivera, vous inquiétez pas. Timéo, Avalanche, Tenchi Wolf, Maxime Genoux, il paraît qu'ils sont co sur le test de Pala. Bah, j'irai voir après, bah, en tout cas merci, merci Maxime. Corentin dans la rue, pendant le live, les panneaux STP, pas après comme l'autre fois. Mais t'inquiète pas, hein, les panneaux, genre, je peux te montrer. Hop, mais les panneaux, à chaque fois, je les mets, hein, à chaque fin de live. Hop, Corentin, Corentin, Corentin. Est-ce que tu serais pas là si normalement t'es là, Corentin? Corentin, il est... Donc là, là, il y a Maxime. Et Corentin, voilà, Corentin, t'es juste ici, donc t'inquiète pas, hein, à chaque fois je mets les panneaux. J'oublie pas, hein, mais c'est juste qu'après, en live, le truc c'est que c'est mal foutu YouTube, il me dit pas qui a fait combien de dons, je suis obligé d'additionner tous les dons à la main, et ça prend genre vraiment hyper longtemps, et genre quand je fais ça, tout le monde se barre, donc si je fais ça, je pense que je le ferai à la fin du live. Bah là, déjà, on est passé en dessous de la barre des 10 000 viewers, ouais, ça va être chaud, en vrai, ça va être chaud pour passer les... Ouais, je suis pas sûr qu'on passe les 800 000 ce soir, mais bon. Tant pis, hein. Hashtag triste, hashtag sad. Pas la fin du monde. Peux-tu faire une dédié à ma chaîne STP? Bah merci beaucoup Pandarou. Voilà. Non, merde! J'ai tout fait tomber. Bon, apparemment ils sont co sur le team speed de Palladium. Est-ce que c'est vrai? Connected. Ah, ils sont là. Channel switched. Allô? Allô, salut. Ouais. Bon, alors ça fait quoi de haut? Ça mine, Donc, bah attends, faut bien farm un peu là, plus, hein. comme je disais, moi je suis ailleurs. Je suis dans une autre dimension. Mais attends, l'espace quoi. Ah non, t'es dans le truc de Ah non, Rev non, Tools. non. Oui. T'as, comment tu vas au truc de Rev Tools? Bah, viens dans ma base, t'as un portail ouvert. Bon, on va voir ça. Tu le repéreras facilement, c'est donc un petit rayon vert. Donc en hauteur, au-dessus du truc de stockage. Slash home, je crois que j'ai un home chez toi. Alors, où est-ce qu'il est ce truc? Merci beaucoup Towercraft. Alors, normalement, il y a un portail, il est où? En hauteur. En hauteur au-dessus de mon truc de stockage d'énergie. En hauteur au-dessus de son truc de stockage d'énergie. À côté de l'ordinateur que Goldo donc m'avait ramené. Merde. Ah oui, c'est ça le portail, je suppose. Oui, quand tu te mets dessus, tu vas te téléporter dans la dimension où je suis. Je suis pas téléporté. Ah si, je suis téléporté. Alors. Oula! Et ça, c'est quoi comme dimension? Ça, c'est une dimension avec pas mal donc de ressources. Tu peux avoir donc Putain, des il y a des blocs de bandits. rubis, du lait, de l'obsidienne. Tu peux avoir pas mal de choses. C'est intéressant. Alors, où est-ce qu'il est? Ah ouais, c'est du rubis, ça. C'est quoi, c'est? Ouais, rubis. Mais à quoi ça sert, le rubis? C'est de la déco, je crois. J'ai vu que ça Ouais, en voilà. cherchant. Ah, c'est de la déco, ok. Et genre, ouais, ok.
Et toi, t'es où? Ah, t'es là. Attends, c'est toi qui me tire dessus? Ah, c'est... Non, 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 non. Bah, t'as des bandits partout. Hein. Là, c'est moi qui tire dessus. Hein. Plus de munitions! Non! 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 Ok. Alors. Ça fait quoi si je me déconnecte et que je me reconnecte sur mon serveur en étant dans une autre dimension? T'arriveras juste plus à co. Ah, je peux plus me co? Ouais. Ça le fait sur le serveur minage, quand tu te déco du minage en étant dans le minage, bah tu peux plus de co. Ah, bon bah je vais retourner chez moi alors, chez lui. Attends, comment je fais pour retourner dans l'overworld? Donc tu fais un slash home tout simplement, ouais. Tu fais un T home. Ouais, d'accord. Un slash spawn aussi. Ah, on peut faire slash spawn sur le serveur? Ouais, il y a oui. Trop de bandits, c'est trop chiant. Ouais, il y a des bandits de ouf, genre je me suis fait spawn kill, mais t'imagines même plus le nombre de. Oh bah ça, je risque pas. Quentin de la rue, bah merci beaucoup pour ton dernier don. Bah écoute, bah merci hein, d'être présent à chaque live. Bon, du coup, moi j'aime déco, je vais retourner chez moi. Et puis je vais finir mes trucs. Super live, okay. Continue, merci beaucoup. Alors, mais la map de Minecraft modée en téléchargement STP, j'ai dit à l'épisode 100, les gens. À l'intérieur des boules, il y a des coffres. Ah, bah, je savais pas, mais de toute façon, on fera notre propre dimension un de ces jours. Dans certaines boules, oui, il y a des coffres. Slash home. Ok, bon, et alors on est chez nous. Storage. Et mon jeu a crash. Oh, trop bien. Bon, du coup, quand le jeu crash, le seul problème, c'est que ça prend genre hyper longtemps avant de redémarrer, donc il va falloir que... Il va falloir qu'on mette un certain temps avant de redémarrer. Bah, oh, tu putain, peux chanter la Reine des Neiges maintenant. Non, je vais pas chanter. Je vais pas chanter la Reine des Neiges, putain. Moi, je dis, allez hop, la Reine des Neiges en impro là, allez hop. Tu pourrais pas donner la liste de tous les modes que t'as mis sur le serveur. Alors, le truc, c'est que la liste, elle est. Enfin, en gros, j'ai mis un mode pack. Et. Alors, bah, c'est quoi, je vais mettre le chat en attendant que ça charge. Ouais, alors, merde. Ouais, mais du coup, là, vous voyez le... oui, je sais que l'écran de fond, il est pas à jour. Donc, ouais, là, je mets le chat en attendant. Alors, merci à Maxime Genoux, une dédicace à Viking et à toute la team. Bah, voilà, une dédicace à vous. Le live finit à quelle heure? Bah, je sais pas, idéalement, il finit quand on sera à 800 000 abonnés, mais bon, après, je peux pas non plus passer la nuit à streamer, donc je sais pas. Fuse, fais un étage pour spécial hôtel. Ouais. Bon. Alors, les modos, si vous avez moyen de ban les gens qui envoient des numéros dans le chat, c'est cool. Alors, juste voir le nombre d'abonnés. Attends, vraiment, c'est relou quand même quand le jeu crash. Et là, je sais même pas, mais putain, c'est vraiment trop relou. J'ai eu trop de problèmes aujourd'hui avec Minecraft Modé. Bon, sinon, du coup, aujourd'hui, on est à 799 223 abonnés. Donc, en vrai... On n'est pas si loin que ça des 800 000, je sais pas si on y arrivera, mais... User joined your channel. Oula. Yes. Qui a rejoint? C'est moi. Ah, c'est Vlad, MDR. Oula, on va commencer à être beaucoup là, ça va partir en couille. Qui c'est? Enlever mon... C'est pas un t-shirt déjà? C'est un pull? Et non. Les logiciels pour tes montages. Premiere Pro. Alors, est-ce que Minecraft s'est lancé? Non, Minecraft n'est pas encore lancé. Oui, la Reine des Neiges avec les 800K. Non, ce sera pas la Reine des Neiges aux 800K. Mais t'es en live, ok. Ouais. Story alors. Un setup pour le nouvel appart. Ça va pas trop intérêt encore une fois parce que ça va être le même setup mais autre part en fait, genre j'ai rien de nouveau depuis 2 ans donc non, le setup de l'appart, quel canapé, c'est... Ouais, non, c'est trop chiant. Fuse, hein. Fait une salle des fêtes pour Didier et sa future femme. Je sais pas. Oh merde, putain, j'ai un réacteur qui a pété. Et Fuse, j'ai entendu dire que Didier avait des envies de voyage. Ouais, mais il va rester. Tu verras. Voilà, mais tu m'as déjà volé Didier une fois, hein. Ah, mais là, je le fais partir en vacances, après. Non, mais vacances une fraîche payée, gratos, offerte par Viking Corporation. Monte le son de Goldo, Fuse 3. Voilà. Goldo, il parle pas assez fort, apparemment. Au fait, quelqu'un aura besoin de sang ou pas? Vas-tu faire une FAQ? Peut-être un jour, je sais pas. Bon, bah, rip mon réacteur. Hein. Pourquoi t'as fait péter quel réacteur? Le réacteur dans les Skullcraft, les deux. Aïe aïe aïe. Oh, bah bien joué, Goldo. J'ai oublié de l'éteindre. Rip ta base aussi.
Non, non, elle, c'est dans une zone protégée, donc ça a rien pété. Attends, je vais muter sur le TeamSpeak. Je reviens après. Sound muted. Alors, bon, ça continue à avancer. Pourquoi tu fais pas du Minecraft modé avec tes abonnés? Parce que j'ai déjà expliqué, en fait, le problème c'est que si je fais du Minecraft modé avec mes abonnés, le problème c'est que ça va devenir ingérable. C'est-à-dire qu'il faudra recruter des abonnés, vérifier si jamais ils sont de confiance. Après, s'il y a du griff, faudra trouver qui fait ça, machin. Et genre, franchement, moi je vous avoue que j'en ai ras-le-bol déjà rien de m'occuper de ce genre de problème sur Palladium. Donc, si en plus faut que je m'en occupe sur Minecraft modé, genre, c'est pas possible. Donc voilà, après si vous voulez jouer à Minecraft modé, genre il y a le modpack dans la description, vous pouvez jouer avec un Minecraft modé, vous pouvez faire un serveur Minecraft modé pour jouer avec vos potes et tout, mais le truc c'est que le serveur, on recrutera pas sur le serveur parce que sinon ça va devenir vraiment ingérable quoi. Putain, et vraiment ça met trop longtemps à démarrer Minecraft modé, c'est juste horrible. Des duplication models, machin, putain ça me saoule quoi. Ça me saoule. Bon, je pense qu'on va partir peut-être vers 21h, je pense. Donc, je sais pas, ça me paraît chaud quand même qu'on passe les 800 000 avant 21h. Mais, peut-être. Peut-être qu'on pourra, je sais pas. On va voir ça. On est combien sur le live? On est. On est 9000. Tu es le meilleur, continue, merci beaucoup. Peut-on lancer Minecraft Mode avec 4Go de RAM? Je ne pense pas. Appelle-nous, il y en a qui donnent leur num. Ouais, mais en fait, moi, je veux bien appeler. Mais ça, c'est l'objectif, c'est le prochain objectif, ça. Donc, on va attendre de passer les 999 500 abonnés. Merde, ouais, le chat est bloqué, c'est pour ça. Regarde Discord. Merde. Attendez. Merci. Tu peux me donner une astuce pour des montages STP? Il n'y a pas d'astuce, hein. Genre, regarde des tutos et. Et voilà. Alors, attends, Goldorek m'a envoyé un message. Bah, on est sur TS, oui. Ok. Alors, salut Fuse, je modère ton live comme tu sais peut-être, je suis admin de ton Discord, il n'y a pas de moyen de relier les sponsors YouTube au Discord, mais nous les admins pouvons créer un groupe sponsor pour obtenir, il nous faudra donc une preuve que la personne est bel et bien sponsor. Ok, donc en gros, si jamais il y a des sponsors qui veulent devenir sponsors sur le Discord, bah vous avez juste à contacter les modos du Discord, et vous donner une preuve comme quoi vous êtes sponsor, et ah, c'est bon, il a fini de charger le truc, putain, c'est vraiment la galère. Hein. C'est vraiment la grosse galère. Donc, ouais, vous avez juste une preuve à fournir comme quoi vous êtes bien sponsor et vous serez passé sponsor sur le Discord. Ah mince, je suis désolé MixoGame, j'ai raté ton don. Salut, le nom sur le panneau, merci beaucoup. D'ailleurs, en plus, putain, c'est un gros don, en plus, je suis désolé d'avoir raté. N'envoyez pas vos numéros de téléphone dans le chat, hein. Genre, je regarderai pas dans le chat pour les numéros, hein. Je vous enverrai un formulaire et tout pour pas que tout le monde le voit le numéro. Est-ce que c'est toi qui as créé Fusty? Non, c'est pas moi. Bon, allez, on va... Putain, je me suis redéconnecté. Mais quel mongol, c'est pas possible d'être autant un mongol. Ah, putain, j'espère qu'il va pas crasher le jeu. S'il crache, je rage quitte. Gros rageux. Attendez, je viens de recevoir. Mais. Ouais. Il y a des mecs dans les. Je vous jure, des fois, franchement, je reçois des commentaires. Bon, je vais pas lui faire de pub, le gars, mais. Enfin, c'est de la pub. Je vais pas lui faire de crédit, mais genre. Des fois, il y a des mecs, mais ils sont vraiment complètement teubés dans les commentaires, hein, vraiment. Du genre, tes modos, ils m'ont banni de mon live. Ils t'ont banni de mon live pour rien. Je me désabonne, je dislike tout, nanana. Genre, franchement, les gars, si vous faites bannir du live, genre, il y a une raison, genre...
Faut arrêter. La plupart du temps, c'est si vous spammez ou ce genre de truc. Bref, du coup. Si je laisse mon nom, tu vas m'appeler au Québec. Je sais pas si ça va pas me coûter de la thune, donc je pense pas. Y a combien de secondes de décalage? Je sais pas, il y a 10-20 secondes de décalage, je pense. Bon allez, on va s'y mettre parce que bon là j'en ai marre d'attendre. On va faire un peu de déco. C'est quoi? On va faire un petit peu de déco. On va décorer. Bah, j'avais commencé à faire la déco de cet étage là, l'étage qui est en dessous. Donc on va s'y mettre tout de suite. Alors déjà premièrement, je vais repasser en 3x3, histoire de pouvoir casser les blocs dans une grande zone. Et on va modifier déjà le sol. Je pense que c'est la première chose à faire, de modifier le sol. Hop. Ok. Ok. Je vais jeter un petit coup d'œil quand même sur le nombre d'abonnés, juste histoire de voir qu'on ne dépasse pas l'objectif. 799 289 abonnés. Donc non, on n'y est pas encore. Quelqu'un peut me faire un don PayPal, mais les gens, enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Salut Fuse, à quoi servent tous tes étages? Bah, comment ça, à quoi servent tous mes étages? Bah, je sais pas, je mets des fermes à chaque étage, je mets... Voilà, c'est aussi simple que ça. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous parler d'un petit projet qui devrait arriver, alors pas sur ma chaîne YouTube, mais sur une autre chaîne YouTube. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas trop envie de parler de ça. Mais en gros, avec Sorestos, on va bientôt lancer une nouvelle chaîne YouTube. Alors je tiens à préciser, c'est pas du Fortnite, parce que je vois déjà dire « Oui, mais Fuse, on fait pas de Fortnite, c'est nul Fortnite et tout. » Donc non, c'est pas du Fortnite, c'est... En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur Minecraft. Mais je pense que c'est quelque chose qui risque de vous plaire. Alors évidemment, ça va pas arriver tout de suite parce qu'il faut le temps qu'on... Il faut le temps qu'on s'occupe de ça et tout. Enfin, ça demande pas mal de... Ça demande pas mal de préparation, de logistique. Mais en gros, on va bientôt ouvrir une nouvelle chaîne avec Soristos qui va... je dirais pas à quel sujet, enfin, de quoi ça va parler. Mais ça va être une espèce d'émission hebdomadaire qu'on va faire avec Soristos qui n'aura pas vraiment de rapport avec Minecraft. Mais je pense que ça vous plaira. Donc voilà, ça c'est un truc avec lequel on discute depuis quelques semaines avec Soristos. Qui devrait arriver dans les mois qui viennent, peut-être dans les semaines qui viennent, peut-être même, je sais pas. En fait, je sais pas, ça va dépendre en fait de mon emploi du temps. Mais c'est vrai que là, en ce moment, genre niveau temps, c'est vraiment hyper difficile pour moi, parce que j'ai 20 000 trucs à gérer, sachant que là, déjà, je déménage vendredi. En plus, bah là, j'ai mes partiels, j'ai pas mal de trucs à gérer avec Palladium. Enfin, voilà, c'est vrai que niveau temps, franchement, c'est assez difficile de tenir le rythme. Donc pour me lancer dans des projets en plus, que j'ai, franchement j'ai envie de me lancer dans ce genre de truc, mais c'est vrai que niveau temps c'est chaud. Minel, merci pour ton don. Alors tu m'envoies ton numéro de téléphone, mais encore une fois les numéros de téléphone, je vais pas les prendre dans le chat, parce que j'ai pas envie que les gens ils envoient leur numéro dans le chat, parce que sinon il va y avoir de l'abus. Voilà, de façon générale, n'envoyez pas vos... Eh bah tiens, dis donc, on est en tendance les gens. Ça, c'est un truc de ouf, cet onglet tendance, je le comprends pas. Hein. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve en tendance, à chaque fois que je stream, mais sinon, je suis jamais en tendance. Tendance avec... Putain, je suis 17 des tendances, en plus, c'est pas mal, hein. Ouais, on a bientôt passé les 799... Enfin, en vrai, on les a déjà passés, techniquement. Et on a combien de sponsors, là? On est à... Premier live avec les sponsors, on est à 3 sponsors. En vrai, les sponsors, genre, c'est un truc de ouf. Comment ça... Les sponsors, entre les... Enfin, la différence entre la quantité de gens qui font les sponsors et la quantité de gens qui font les subs sur Twitch, c'est genre, c'est... c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a tellement moins de gens qui sponsor que... C'est pour ça, moi, je reproche vraiment ça à YouTube, c'est qu'ils ont... Ils ont mal géré le truc. Tu mets quand mon nom sur un panneau? Je mets à la fin du live. Ne vous inquiétez pas, paniquez pas les donateurs, je mettrai tous les trucs après. Alors, on a du basalte ici, je vais juste finir le mur. Alors c'est quoi le type de basalte que j'ai utilisé ici? C'est... Je crois que c'est ça. Chisel. Ouais, ça doit être ça. J'espère.
Non, c'est pas ça, merde. Alors attends, il faut que je repasse en mode 1x1, sinon ça va être le bordel. 10 GAOE, on passe en 1x1. Voilà. Attends, c'est vraiment bien fait Draconic Evolution. Ça, c'est un mode qui est putain de complet. Bon, les gens, là il reste. Allez, je dirais. Je dirais qu'il reste. Si jamais on n'arrive pas à passer de cap encore, il reste encore 30 minutes de live. Ça serait cool d'essayer, si jamais vous avez des potes ou quoi, d'essayer d'appeler vos potes. Ça fait vraiment genre le mec qui force comme un ouf de dire ça. Mais d'appeler vos potes pour qu'ils viennent sur le live, pour qu'on essaye de passer l'objectif. Ah. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir la surprise de Viking, je suis vraiment curieux. Donc, bon, on va bien voir. Mais là, sachant que là, on est à 799 323 abonnés. Donc, il reste encore 700 abonnés à faire en 30 minutes. Ce qui fait combien? 700 divisé par 30. Ça nous fait 23 abonnés par minute. C'est chaud. Mais ça doit être faisable. En fait, j'en sais rien, mais on verra bien. Mais bon, du coup, je compte sur vous, les gens, pour partager. Stairs. Stairs. Alors, okay, on pourrait faire quoi? Ah, ça c'est quoi? C'est de la Sky Stone Brick. Ah, mais j'en ai pas. On peut faire en basalte. C'est quoi? On va utiliser ça en basalte. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, on va se faire un petit. On va commencer par l'escalier qui est ici, qui permettra d'accéder à la partie wood. Fuse, tu t'es mute sur TS il y a presque 10 minutes. Ouais, mais je reviendrai à la fin du live les voir. Mais là, pour l'instant, le truc, c'est qu'en fait, si je suis sur TeamSpeak, j'avance pas sur mes trucs, donc c'est un peu frustrant. Tu pourrais me faire une dédie, tu vas appeler sur quoi? Sur téléphone. Fuse, pas la marche pas, c'est-à-dire pas la marche pas. Hop. Courage, on va arriver à 800 000. Bah, voilà, ultimement, je sais pas si ça se dit, mais enfin, de façon. Enfin, on arrivera forcément aux 800 000 un jour, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera peut-être pas aujourd'hui. Ce qui serait triste, pendant le live. Mais bon, après, de toute façon, le truc de Viking, je le saurai un jour ou un autre, donc. Mais bon. Ce serait cool quand même de le passer. Alors, est-ce que. Attends, je sais pas quel bloc de décoration on pourrait utiliser. On va regarder les blocs de déco qu'on a dans le chisel. Qu'est-ce qu'on a? Pour les 799,7k beau, tu pourrais manger une cuillère à café de poivre. Eh, mais les gars, vous avez quoi avec manger des cuillères à café de trucs? Genre. J'ai pas de poivre. En plus, j'ai plus rien chez moi. Donc, je peux plus faire ce genre de challenge, quoi. Alors. On va se faire un petit chemin. Alors, Unbreaking Wand. Hop. Donc on va se faire un petit chemin ici. Hop. Donc le petit chemin, je pense qu'on va mettre, de la laine en bas. Alors je sais pas de la laine de quelle couleur on peut mettre. Donc au niveau des carpettes. Oh, ça c'est quoi? C'est Lama Carpet? Limewood. Ah d'accord, c'est Limewood. Lime. On va prendre ça. Light Blue. Comment ça se craft? Ça se craft avec du colorant. Lapis plus... Ok, ça se fait facile. On va se faire ça. Ok. Donc là, en gros, l'idée, ça va être de mettre une carpette au sol. Sachant que la carpette, je peux le transformer en trois trucs différents. On va le transformer en ça. Ça me semble pas mal. Et ouais, je pense que ça va rendre plutôt sympa. Ouais, c'est pas mal. C'est correct. En vrai, c'est correct. Ça va. Ça pourrait être pire. Hop. Merci GTA 5.2. Merci. Le live, il a commencé à quelle heure? Il a commencé à 18h30. Tu peux faire un récapitulatif de tous les étages, à quoi est-ce qu'ils sont dédiés? Ouais, là, on peut faire ça. Donc, en gros, l'étage tout en bas, c'est la réception. En dessous, on a le réacteur nucléaire avec le système de stockage, qui est vraiment classe comme ça. Donc, voilà. Ensuite, au-dessus, on a... Bah, tiens, je peux prendre l'ascenseur, limite. C'est fait pour ça. Au-dessus... Merde. Ah, là, il y a un petit bug au niveau de l'ascenseur, je veux pas dire, mais... on va appeler l'ascenseur qui devrait descendre.
Voilà, regardez, il arrive à toute berzingue. Nickel. Donc, après, encore au-dessus, c'est l'étage Botania. Donc, c'est l'étage où on farme avec nos fleurs, etc., etc. Au-dessus, c'est l'étage ferme à mob. C'est la ferme Woot. Non, pardon, c'est pas ça. C'est, la... bah, c'est là où on a les mobs. Et c'est là aussi où on a Open Computers. Et c'est là ici qu'on a la salle à munitions. Alors, pour l'instant, la salle à munitions, elle n'est pas du tout terminée. Faut qu'on avance dessus. Mais ça avance, ça avance. Je suis vraiment content quand même de cette tour. Hein, parce que cette tour, elle commence à vraiment à prendre forme. Et ça, ça fait vraiment plaisir. 799 000 abonnés. Bah écoutez, bah merci les gens. C'est énorme. C'est énorme, merci beaucoup. Ça, c'est la ferme Woot avec la salle des donateurs sur la droite. Au-dessus, on a la salle météo. Encore au-dessus, je crois que c'est la salle YouTube. Ouais, c'est la salle YouTube. Encore au-dessus, on va avoir la deuxième réception qui va être au niveau du sol. Et encore au-dessus, on va avoir la ferme à Wither. Donc ça, c'est la ferme à Wither. Et après, je sais pas encore trop ce qu'on va mettre autour de la ferme à Wither, mais on trouvera d'autres idées, vous inquiétez pas. Bon, là, j'essaie un petit peu d'avancer quand même sur la décoration. Non, pas de la salle YouTube, de la décoration de cette salle-là. Parce que c'est la salle... la plus proche du bas qui n'a pas encore été décorée, donc on va essayer de décorer ça. Donc merci en tout cas les gens, à tous les gens qui sont abonnés, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. 799 000 abonnés les gens, c'est assez ouf. Sachant qu'on a commencé, on était quoi? On était à 798 100 abonnés, quelque chose comme ça, donc ça avance bien les gens, merci beaucoup à tous les gens qui sont abonnés, tous les nouveaux abonnés. J'ai du mal quand même à me rendre compte que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas abonnés aujourd'hui qui m'ont découvert à travers ce live quand même, c'est assez drôle quand même. Bon, sinon, en termes de réel nombre d'abonnés, je peux vous montrer, on n'est pas vraiment à 799 000, parce que je sais pas pourquoi est-ce qu'il met pas à jour correctement les trucs, on est à 799 424 abonnés, donc en vrai, là, on a 500 abonnés à faire en 24 minutes, à peu près. C'est faisable, en vrai, c'est faisable, allez les gens, je compte sur vous. I count on you. Mais bon, écoutez, si on n'y arrive pas, je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. C'est triste, mais ça va. Alors, il nous faut de la laine. Il nous faut du lapis. Alors, je sais pas si j'ai beaucoup de lapis. Normalement, j'en ai un petit peu. J'en ai... Ah, bah ça va, j'en ai 1300. Et il nous faut aussi des os. Pourquoi est-ce qu'il nous faut des os? Parce qu'il nous faut du colorant blanc. Ça devrait suffire, en vrai. Nickel. Donc là, j'ai 24 colorants blancs. Et avec ces 24 colorants blancs, je peux me faire 24 laines... en lime. Et après, je peux chisel tout ça. Et normalement, chisel, nickel, nickel crème. Hop. On se fait un petit chemin. Bon, c'est peut-être pas suffisant. Ouais, j'aurais peut-être dû en faire plus. Sans en faire plus. Ok. Après, je sais ce qu'on va décorer aussi. Parce que j'ai un autre truc que j'ai envie de décorer depuis un petit bout de temps. Que je n'ai pas fait. Et on va faire ça. On va essayer de faire ça. Bois du vinaigre. Eh les gens, vous avez vraiment envie que je meure, quoi. La dernière fois que j'ai bu... La dernière fois, je crois que j'ai bu du vinaigre, c'était pour le live des 12h. Et genre après, j'étais trop mal. Hein. Non, cette fois-ci, je me ferai pas avoir deux fois. Hein. Fuse Témoche, putain, y'a un mec qui s'appelle Fuse Témoche qui m'a fait un don, bah merci beaucoup. Enfin, je sais pas si je devrais dire merci beaucoup, mais merci quand même. Merci à moitié, on va dire. Alors, la cobblestone. Ouais, fallait que je re-chisel ça. Mais avec. Qu'est-ce que c'est la texture? Ah, c'est celui-là, je m'en souviens, chisel. Eh oh, ouais, non, c'est bon, alors. Ok, du coup, là, normalement, si jamais j'utilise mon Unbreakable Wand, je peux faire ça. Voilà. Nickel. C'est classe. Ça va. Bon, maintenant, il faut que je fasse le plafond. Bon, après, le plafond, ça va pas être évident. Ça va pas être évident à faire. Tu en penses quoi de la 1.13 bah, je suis pas énormément les nouveautés de Minecraft. Après, c'est vrai que la 1.13, elle rajoute beaucoup de choses vraiment stylées. Et limite j'aurais bien envie de refaire du vanilla. Alors après le truc c'est que le vanilla genre je m'en lasse assez vite. Et surtout ça prend trop de temps à faire. Donc je pense pas que je ferai de série en vanilla. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne mise à jour. Après encore une fois le problème c'est qu'ils arrivent pas à rivaliser avec avec la quantité de trucs qui sont rajoutés dans le modé. En fait le problème c'est que déjà à chaque fois qu'ils font une nouvelle mise à jour, bah tous les modes doivent être faits. Et ça pour moi c'est un gros problème dans Minecraft. Parce que très franchement
là, le jeu, il serait ouf si jamais tous les mods étaient rétro-compatibles. C'est-à-dire s'ils faisaient en sorte que ils ne modifiaient pas le jeu et qu'on puisse réutiliser des mods qui ont été faits, par exemple, pour la 1.7 en 1.13. Ça, ça serait vraiment hyper bien et ça permettrait... Enfin, ça serait vraiment... Ça serait tellement plus pratique. Parce que comme ça, ça permettrait d'utiliser... Enfin, voilà. Moi, je pense vraiment qu'ils devraient faire... Ils devraient penser à ça parce que là, pour l'instant, ce qui fait vivre Minecraft, selon moi, c'est vraiment la communauté qu'il y a derrière et c'est pas les mises à jour. Je veux dire, les mises à jour, c'est sympa. Bon, voilà, il y a peut-être, je dirais, 30-40% de la communauté qui compte sur les mises à jour pour jouer à Minecraft. Mais tout le reste de la communauté, c'est les serveurs, c'est les mods, c'est les vidéos, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Et bon, de plus en plus, ils s'en rendent compte et ils font des trucs pour. Mais merci d'ailleurs, Steven, pour ton don. Les 800K approchent, c'est vrai. Les 800K approchent. Voilà, tout ça pour dire qu'en vrai, je pense qu'ils devraient plus penser à faire en sorte que tout ce qui est mod, tout ce qui est contenu additionnel qui est fait par les joueurs, puisse être mis à jour facilement. Parce que voilà, là, ils font leur mise à jour. Bon, c'est vrai qu'ils font pas non plus 50 mises à jour par an, mais... c'est parce que sinon, ça serait assez difficile de maintenir les mods à jour. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin voilà, quoi, là on est à 1.12 et moi je suis toujours à 1.10 parce que les mods que j'utilise ils sont à 1.10. Ça serait plutôt stylé si jamais par exemple t'as des mods à 1.10, tu peux mettre à jour ta map en 1.10. Enfin voilà, ça serait pas mal. Mais voilà, moi c'est la plus grosse reproche que je peux faire à Mojang. Et l'autre reproche aussi c'est leur connerie de là qui a tué beaucoup de serveurs. Hein. Parce que bah déjà Epicube, ils ont pris un... C'est pour ça qu'Epicube il est aussi bas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes avec Lola. C'est pour ça que... Enfin, Epixel, ils ont réussi à bien s'en sortir, mais je crois qu'Epixel, franchement, ils ont failli mourir à cause de Mojang. Enfin, là, il y a plein de trucs, je veux dire, ils ont fait des conneries, quoi. Après, ils font quand même de l'entendre, hein, c'est leur jeu, mais voilà. Wow, tu es encore en live. Eh oui, Rushunder. Bon, par contre, c'est bientôt fini. Le truc, c'est que, en fait, ça dépend. C'est pas bientôt fini si jamais on arrive à passer... des caps d'abonnés. Sachant que là, on est à 399 501 abonnés. Ok. Bah, on vient de passer le cap suivant. Le prochain cap, c'est les 800 000 avec le salto arrière. Et du coup, bah, je vais pouvoir vous appeler. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je pense que je vais faire un formulaire Google sur lequel vous allez pouvoir laisser vos numéros. Et après, je pourrai vous appeler. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, on va faire ça. Google Forms. Voilà. Nouveau formulaire vide. Votre numéro. Hop. On va mettre réponse courte. Et voilà, donc là, envoyé. Je vais pas collecter. Si je vais collecter les adresses mail, je vais donner le lien. On raccourcit l'URL. Et voilà. Ok, donc là, je vous donne le petit formulaire qui vous permet de. Je vais vous donner le petit formulaire qui vous permet de rentrer votre numéro. Et Fuse t'es moche, c'est GTA 5 qui a fait le don. Fuse t'es moche. Ok, bah merci. Merci beaucoup, mais c'est pas très sympa, hein. T'es méchant. Alors, on va aller dans communauté, non, diffusion en direct, pardon. Ah, ça charge, hein, évidemment, d'événements, diffusion en direct. Attends, je peux pas, elle est où ma page du live? Attends, je trouve plus. Non. La surprise des 800 000, ok, c'est là. Donc là, je vais changer le lien, hop, enregistrer modification. Donc, le premier lien, là, dans la description... C'est le lien qui vous permet d'accéder au Google Form, qui vous permet de rentrer votre numéro de téléphone. Et du coup, je vais pouvoir vous appeler. Et puis, on va voir un petit peu ce que vous avez à dire. Je vais essayer d'appeler, genre, je pense, 2-3 personnes, hein, pas plus. Alors, malheureusement, je vais appeler que les gens qui sont en France, parce que je crois que mon forfait ne me permet pas d'appeler les gens qui sont au Canada. Je suis désolé. Oula, oula, j'ai déjà 50 numéros qui sont sortis. Allez, c'est parti. Alors, attends, j'ai reçu une... ouais, alors... Alors, par contre, juste, comment on fait pour appeler en masqué? Parce que j'ai pas trop envie qu'ils aient mes... que vous ayez mon numéro.
Appel masqué. Toc. Dièse 31 dièse. Ok. Bon, bah, on va faire ça, hein. J'espère que ça va marcher quand même, l'appel masqué. Il y a des mecs quand même qui mettent comme numéro, c'est le 17. Ah oui, il y a 5 personnes qui ont donné le 17. Hein. Allez, on va prendre un numéro au hasard. Bon, j'espère que c'est des vrais numéros. Sinon, je vais bien avoir l'air con. Après, comme j'appelle en masqué, normalement, généralement, les gens qui... non, mais il y a des gens qui ont envoyé plusieurs fois le même numéro, en fait. Dièse 31 dièse. Alors. Non, mais putain, pourquoi c'est... C'est chiant, ça. Alors, je vais prendre... Bon, il y a des gens, ils envoient des numéros qui sont pas valides, c'est génial. Allez, on va prendre celui-là. 06. Bon, je vais pas le dire à haute voix, évidemment. Ok, je vérifie. 1, 2... Ok, ok, ok. Première personne qu'on appelle. J'espère que ça marche. Le stress. Je sais pas si on entend bien. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Quoi ? Un ? Deux ? Trois ? C'est qui ? C'était un abonné. Waouh ! Bon, t'as quelque chose à dire ou pas ? Non. Ok, bah, c'est génial. Bon, dis donc, bon, j'espère qu'on va pas tomber que sur des gens qui ont rien à dire, mais bah, écoute, c'est quoi ton pseudo ? Minecraft. Bah, je sais pas, ton pseudo sur les internets. Lizard. Ok, bah écoute, bah, ça fait plaisir de t'avoir parlé. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre, ouais. Peut-être. Ouais. Allez, bah salut. Tiens, il y a quelqu'un qui a répondu, t'es moche dans le formulaire. Bon allez, salut. Salut. Attends, dites-moi si on entend bien, parce que je suis pas sûr qu'on entende bien, hein. N'envoyez pas vos numéros dans le chat, les gens. J'appellerai pas les gens qui sont dans le chat. Hein. Non, n'envoyez pas vos gens, les numéros dans le chat, les gens. Il y a un formulaire pour ça, parce que le truc, c'est que si jamais vous envoyez le numéro dans le chat, genre, il va y avoir plein de gens qui vont. C'est pas ma responsabilité, hein, s'il y a des gens qui vous appellent et que vous font chier. Je ne suis pas responsable. Allez, deuxième personne. Hop. Et mettez, s'il vous plaît, mettez des espaces entre les... Putain, j'espère que je vais pas appeler la même personne, en fait. On va prendre la personne 57. Oh. 57. Mais c'est quoi cette merde? Ok, c'est bon. Alors, 06. Ok. Here we go. Bon, le truc, c'est qu'on entend vraiment pas fort, en fait. J'ai... Votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Non, non, non. Bon, bah, dommage. Ça ne marche pas. Putain, mais ça marche... Mais c'est vraiment de la merde, ce truc de formulaire, là. Bon, allez, on va créer un nouveau formulaire. Bon, c'est plus compliqué que ce que j'imaginais d'appeler les gens, d'appeler des gens en direct. Hein. Rush Under, je donne même pas mon numéro, je vais être gêné si tu m'appelles. Bah, c'est pas le but, hein, mais bon, c'est toi qui vois. Dadou69, merci pour ton nom. Alors, on va voir ça. Oh putain, j'ai vraiment plein de... Mettez des espaces entre les numéros quand vous foutez un... Quand vous envoyez le numéro, parce que... Ah, mais non, parce qu'après, Google, il me le... Ah, c'est chiant, c'est galère, vraiment, c'est galère à... allez, on va appeler cette personne, qui m'a l'air, ma foi, sympathique. En vrai, c'est compliqué parce que, genre, relire le numéro, c'est pas évident. Hein. Dièse 31 dièse 06. Mm-hmm. Désolé si je m'approche très fort de l'écran, mais. Allez, hop, c'est parti. Bon, j'espère qu'on va pas tomber quelqu'un qui veut pas des appels masqués. Ah, ça sonne. Allô?
Allô? Oui. Allô? Oui. Je suis bien chez l'abonné de Fuse? Oui. Est-ce que tu sais répondre autre chose que oui? Non. Est-ce que tu as un message à faire passer? Quoi? Est-ce que tu as un message à faire passer? Oui. Mais c'est qui? C'est Fuse? Bah non, c'est pas Fuse, c'est Soristos. Ah, dommage. Non, en vrai, abonnez-vous à la chaîne. Ah, ça c'est un vrai abonné. Et merci de m'avoir fait passer. Ah bah pas de problème, hein. Passer. Bah écoute, bah merci d'être abonné, et puis voilà. Bah écoute, je vais prendre une autre personne. Allez. D'accord. Salut. Merde, je l'ai coupé, merde, désolé. Je suis désolé, cher abonné. Non, essaye. Bah, genre, je sais pas, on peut faire un truc. Je sais pas, essayer d'avoir un petit truc à dire, un petit peu la chat, quoi. Bon, j'en prends, je pense, deux derniers. Après, on continuera ce qu'on faisait. Mais c'est rigolo. C'est la première fois que je fais ça, en vrai. Hein. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est vrai que c'est sympa. Hein. Hop. Tac. Hop. Allez, bon là je dois avouer un truc, c'est que j'ai pris quelqu'un dans le chat, mais c'est pas une raison pour envoyer vos numéros dans le chat. Oula, putain, ça sonne fort là. Mais... Allô? Ouais. Vous avez tenté de m'appeler? Non, vous avez pas tenté de m'appeler, pourtant j'ai reçu un appel de votre part. Non. Vous êtes sûr? Ouais. Je vous entends pas bien, vous pouvez parler plus fort? Bah ouais. Ouais, mais pourtant vous m'avez appelé, vous m'avez insulté. Bah bon, non. Bah si, c'est votre numéro. Bah oui. Pourtant j'ai fait rappeler et... Non, j'ai pas fait... C'est de vous insulter, non? Bah moi c'est ce que j'ai cru. Ouais. Mais c'est vous l'abonné de Fuse? Oui. C'est qui je suis? Quoi? Quoi? T'as un mot à faire passer? C'est Fuse en fait. Oui. Abonnez-vous à la chaîne de Fuse. Ah, abonnez-vous à la chaîne de Fuse, il a dit. Je suis d'accord avec lui. Bon, bah écoute, bah merci d'être passé. T'as autre chose à dire ou pas? Non, c'est bon. Ok. Bon, bah vas-y. Hein. Allez, hop. Putain, j'ai même pas. Même pas... Ouais, je suis trop enfant et j'ai pas laissé le temps de lui dire au revoir. Allez, on va appeler un 07 pour changer. Hop. Ah oui, j'ai oublié le donateur. Maxime Genoux, moi j'aimerais bien pouvoir te répondre. Bah écoute, ouais. Pense aux Suisses avec le plus 41. Ouais, mais le truc, c'est que je sais pas si j'ai le droit de... Merci Vacool pour ton nom. Je sais pas si mon abonnement, il permet d'appeler les Suisses, en fait. C'est ça, le problème. Mais bon, écoute, voilà. Merci Dark Knight. Dark Knight qui m'a envoyé son numéro. Allez, tu sais quoi, on va l'appeler après, ok? Parce que bon, j'aimerais bien voir quand même l'appel d'un donateur. Ok, oula, ça sonne fort. Vous me dites si vous entendez bien. Allô? Oh putain. Fuse? Non? C'est qui Fuse? Oh merde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je crois que je t'entends pas très fort. Putain de merde. Il dit oh putain de merde. Est-ce que t'as un mot à dire? Tu m'as mis en PLS. C'est trop mal, je t'adore. Oh là, mais non, mais ça va, calme-toi, c'est... Ça va? Ah, nous fais pas un malaise, hein. Oh putain, j'ai une de ces chats. Calme, merci beaucoup pour la qualité de cette vidéo. Ah bah de rien, hein. J'ai juste un PC pour y jouer, mais rien, c'est un bon.
Ça, je m'arrangerai plus tard pour y jouer, mais enfin, bref, j'adore tes vidéos, c'est super. Ah bah merci beaucoup. Bah voilà, bah. Je pense que Marie est géniale. Bonne nuit. Bah merci. Merci beaucoup, ouais. Allez, bah vas-y, à la prochaine. Ouais, c'est vraiment drôle quand même d'appeler les abonnés, genre c'est un truc, franchement, j'aime bien en fait, j'aime bien, peut-être après je ferai ça après le live, tout seul. Non, je vais appeler Maxime Genoux, parce que Maxime, en vrai par contre, t'aurais pas dû faire un don de 5 € parce qu'on va t'appeler, mais le truc c'est que Maxime, il est là quasiment à chaque live, donc je vais l'appeler quand même pour le remercier personnellement, parce que il est là à chaque live. Et à chaque live, il fait des petits dons et tout, donc on va l'appeler pour lui faire plaisir. Et puis voilà, on va voir ce qu'il a à nous dire. Ah bah tiens, c'est génial, je suis sûr qu'il se fait spammer d'appels parce qu'il a fait un gros don. Nouveau soutien, bienvenue à Paul-Henri Andrieux. Je veux le num d'une meuf. Les mecs, ils sont vraiment... Vous êtes des charros, les gens. Alors, on va essayer de rappeler, sinon c'est dommage. Après, c'est peut-être un numéro, puisqu'il l'écrit en mode américain, donc c'est peut-être un numéro canadien en fait. Est-ce que ça sonne? Eh non, ça sonne pas. Ah, désolé Maxime. Je suis désolé. Merci Steven, pour le don. Swinner, merci. Je vais pas appeler les gens des dons, parce que sinon tout le monde va me faire des dons avec leur numéro et genre c'est le bordel. Minel, désolé, mais c'est bordel. J'aurais bien aimé juste appeler Maxime, mais le truc c'est que ça va être compliqué parce qu'il répond pas. Dommage. Peut-être qu'on rappellera plus tard. On essaiera plus tard, mais le truc c'est que ça ne marche pas. Bon, bref, du coup, je vais revenir à ce que je faisais, sachant que là on est à 799 604 abonnés. Bon, j'avais dit que j'arrêterais à 21 h, mais sachant que je m'amuse bien, on peut rester un petit peu plus tard. Voilà, je suis sympa. Peut-être pour essayer de passer les 800 000 ce soir, ça serait cool quand même. Sachant que là, il reste 400 abonnés, je prolonge le live d'une demi-heure, ok? Après, si dans une demi-heure, après, parce qu'il va falloir quand même que j'aille réviser, que je prépare l'épisode de Palladium 2 demain, donc voilà, mais je veux bien rester un petit peu plus. Voilà. Alors, on va se faire pour le sol. On va se faire avec des... Je sais pas quoi mettre comme truc au sol, en fait. Ah, un chien. Est-ce que j'ai du bois ici? Est-ce que j'ai du bois? Wood. Wood, wood, wood. Ah, peut-être avec ça. Ah, peut-être avec du birch wood. Peut-être que ça peut rendre bien. En vrai, ça passe, hein. Birch wood, ça passe. J'ai reçu un poke sur Twitter. Ah non, c'est... Non, sur... Qu'est-ce que j'ai? Un poke sur TeamSpeak. Mais voilà. Attends, je vais juste essayer de rappeler. C'est un plus 41. Plus 41, c'est quoi comme pays? Plus 41 code. Je vais t'envoyer mon num sur le formulaire, à toi de retrouver. Ouais, enfin sur le formulaire, je vais t'avouer, j'ai eu plus de 4000 réponses, ça est difficile à retrouver. L'indice plus 41 correspond à la Suisse. Et pourtant c'est bizarre parce que Maxime, tu... Ah non, bah oui Maxime, tu me fais des francs suisses, c'est évident. Corentin de la rue, quelle idée de mettre son num en super chat. C'est vrai que c'est pas la meilleure des idées les gars. Mais bon, c'est... Bon, après en vrai le super chat, genre ça reste pas trop longtemps. Bon, je vais être sympa. Je vais essayer de t'appeler, Maxime. J'espère vraiment que ça me fait pas des ça me, je paye pas en plus. Attends, est-ce qu'avec Free... Attends, Free... En Suisse. Tarif international en Suisse. Vers le pays. 15 centimes par minute. Ah ben non, je suis désolé, mais ça me fait un surcoût. Ah, je suis désolé. Mais c'est relou. Mais c'est chelou, quand même. A inclus, appel vers les filles. Ah non, c'est appel vers les mobiles qui est payant. Merde. Bah dommage, désolé Maxime, mais bon, j'ai pas un forfait, c'est bien. JS Geek, merci pour ton don. Bon, le Birchwood, qu'est-ce que vous pensez les gens du Birchwood? Bon déjà, on est vraiment pas loin des 600 000, donc... des 600 000, des 800 000! Plus à peine d'envoyer vos numéros les gens, hein. Ne paye plus... N'envoyez plus vos numéros. Alors attendez, peut-être. J'ai un autre forfait, faut juste que je charge mon téléphone. Parce que j'ai deux forfaits, hein. Parce que voilà, moi je suis un petit peu dans le futur. Peut-être qu'avec l'autre forfait.
Tac tac tac. Suisse. Je sais pas si j'ai des frais en plus. C'est good. Ok, bon, les gens, ils ont l'air d'être contents pour le Birchwood, donc ça va. Vers et depuis la Suisse. Attends, il y a... J'arrive pas à voir. Suisse. Je peux pas changer le... Bouygues. Ah non, merde, c'est free. Ouais, non, bon. Écoutez, je sais pas, mais bon, écoutez. Plus la peine d'envoyer vos numéros, les gens. C'est bon, pas la peine. Mais surtout, non, franchement, c'est une règle d'or sur Internet. Faut jamais envoyer son numéro sur Internet. Genre, c'est trop une mauvaise idée. Hein. Wood, est-ce que... Ouais, ça va, j'ai un petit peu de Birchwood en réserve. Bon, je suis désolé pour les gens que j'ai pas pu appeler. Après, bon, c'était évident que je pouvais pas appeler tout le monde non plus, donc... Voilà, ça sera pour une prochaine fois, je pense que je referai ça un de ces jours, mais c'est plutôt sympa comme, comme truc, hein. Moi j'aime bien. Mais voilà, je suis dégoûté, j'ai pas été appelé. Ouais, mais bon, écoute, genre, il y a plus de 3000 trucs sur le formulaire, c'est compliqué. Vas-y, j'ai mal aux yeux, à plus. Bah en tout cas, merci d'être resté, Chris, et puis voilà, bah, bonne soirée. Hop. Merde. Bon, en vrai, là, c'est vraiment une décoration, tout ce qu'il y a de plus banal hein, que je fais, là, mais c'est juste histoire d'avoir des étages qui sont décorés, parce que moi, ça me saoule un petit peu d'avoir des étages qui sont à moitié finis. Donc là, en vrai, ça passe bien, ça passe bien, genre, ça fait vraiment très banal comme décoration, mais ça passe, je trouve. Par contre, là, il faut mettre vraiment du basalte, sinon... Ah merde, c'est moche. C'est chisel, ça. C'est quoi comme mode? Ah merde, c'est des basalt brick stairs de Environmental Tech. Et du coup, en fait, c'est pas le même mode, du coup. C'est pas le même mode. Basalt de chisel. 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 Ouais, j'ai que du basalt de chisel. Ah non, là, j'ai du basalt de Environmental Tech. Watch Inside, merci pour ton don. Tu m'as fait peur, j'ai raccroché au lieu de répondre. Je sais pas si c'est moi qui t'ai appelé, hein, parce que les gens qui écrivent dans le chat, faites attention, parce que si ça se trouve, il y a d'autres mecs qui vont vous appeler, qui vont se faire passer pour moi. Hein. Donc je suis pas responsable. Mais la règle d'or sur Internet, quand même, c'est de pas laisser son numéro. Free en Suisse, c'est Salt, et il est à Swisscom. Ouais, mais je veux dire, moi j'ai un forfait free, donc... je sais pas si je peux... Enfin, en fait, c'est pas je sais pas, c'est je peux pas appeler, malheureusement, je peux pas appeler. Bon, en vrai, on est vraiment pas loin des 800 000, les gens. On est à... Je sais pas combien on est à de viewers, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le nombre de viewers sur live. Mais on a... C'est dommage, parce qu'on est sur un live, quand même, le live des 800 000, qui est plus court que le... Qui est plus court que le... Enfin, qui a moins de viewers que les anciens lives que je faisais avant, mais bon. Comme j'ai dit plus tôt, la chaîne, elle est moins... Elle marche moins ces derniers temps, donc voilà. Je vais quitter le live, du coup, petit don à plus. Salut, Robo44. On est vraiment pas loin, les gens. Donc, je rappelle, les gens qui ne sont pas encore abonnés, ce qui va se passer, c'est que si jamais on arrive à passer les 800 000 abonnés ce soir, sachant que là, il nous manque 330 abonnés, donc on a 30 minutes. Ouais, ça se fait large, en vrai. Ça se fait large pour passer les 800 000 abonnés ce soir. Je sais pas si... Je sais pas si... Voilà, bref. Je sais pas si on y arrivera, mais normalement, on devrait y arriver. Vrioy. Hello, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup, Vrioy. Alors, on va... Tout de suite se faire... qu'est-ce que j'essaie de me faire? Je me souviens même plus. Oui, je voulais prendre les trucs dans le basal d'Environmental Tech. Ok. Et comment on se fait des stairs? D'accord, donc on peut retransformer les stairs en... J'essaye de voir comment on fait les escaliers, en fait, c'est juste ça, mais... Est-ce que je peux faire des escaliers à partir de ça? J'ai pas l'impression. Est-ce que je peux faire des escaliers comme ça? Non. Ce qui est bien, c'est que je peux revenir au truc de base. Alors si je fais des escaliers comme ça, ça me fait des escaliers. Ça me fait des escaliers, mais je crois pas que ce soit les escaliers que je veux. Ah si, remarque. Peut-être.
Peut-être, peut-être. On va tester ça. Non, oui, non, j'ai déjà dit ton nom, Vriroy, merci. Ok. Ah, est-ce que c'est le... Non, c'est pas le même, hein. C'est pas le même truc. Alors, du coup, comment ça se craft, ça? Comment elle se craft, ces escaliers? Il se craft... Ah, merde. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord, je sais comment faire. Alors, en fait, il faut que je transforme mes escaliers en basalt bricks. Il faut que je fasse ça. Et maintenant, à partir de ça... Bon, déjà, je vais pouvoir mettre mon bloc de basalte juste ici. Et ouais, en vrai, ça va, hein. C'est pas... Bon, c'est pas la déco du siècle, hein. C'est pas l'étage le mieux décoré au monde. Mais au moins, ça ressemble un petit peu à quelque chose. Enfin, je suis pas mécontent de ce que ça donne. Ok, on a quelques escaliers. C'est pas bon, le compteur, il est à 799 000 machin. Non, mais en fait, c'est pas le vrai compteur. C'est-à-dire que moi, le compteur que j'ai... Parce qu'en fait, le problème, c'est que je sais pas pourquoi, mais les systèmes qui permettent d'avoir le nombre d'abonnés en direct que j'utilise, là, que j'affiche sur le live, c'est pas le vrai nombre d'abonnés en direct, en fait. Et du coup, j'ai pas... Enfin, je sais pas, c'est mal foutu, donc... Enfin, y a un décalage dessus, donc ce qui fait que... Qu'en fait, le vrai nom, c'est moi qui l'ai, et on est relativement proche, en fait, des 800 000. Donc... Donc voilà, je pense que ça peut se faire ce soir, mais... Ah, mais attendez, merde. D'accord, ok, on va faire ça. Ok, normalement, ça, là, ça le fait. Ouais, c'est pas mal. Si tu veux, le début de mon hymne, c'est... J'appellerai peut-être après. C'est GTA 5 Fuse, je t'ai bu hier, t'as un bon goût, putain. Oh là là, c'est pas possible. J'en ai trop marre des blagues sur le Fusty. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on a une hache? Ah, on a une hache ici. Bon, ça va tout casser, mais... Mais au moins, on récupère les trucs. Parce que là, je me suis fail. Attends, je suis 6ème des tendances. What? Attends, j'actualise. C'est vraiment n'importe quoi, hein, parce qu'à chaque fois que je fais un live, je vous jure, à chaque fois, je me retrouve dans les top tendances. Hein. Genre, vraiment, la dernière fois, le dernier live qu'on a fait, j'étais amené premier des tendances pendant genre au moins 2 heures, quoi. Ce qui est assez, assez ouf. Donc merci les gens, mais en vrai, genre, pff, c'est pas mérité, quoi. Je veux dire, un live, ça demande tellement moins de travail qu'une vidéo, et genre, les vidéos, elles sont pas en tendance, et les lives, ils sont en tendance, mais genre, au calme. Hein. Si, des tendances, mais what the fuck, les gens. Bah écoute, écoutez, merci les gens, et puis voilà. Bon, petit rappel, les gens, ce qui se passe, pour les nouveaux gens, je pense que vu qu'on est 6ème des tendances, il doit y avoir des nouvelles gens qui arrivent. En gros, ce qui se passe, c'est que à 800 000 abonnés, j'ai Viking, qui est quelqu'un qui joue sur le même serveur que moi, qui m'a dit qu'il m'a préparé une petite surprise pour ma base. Sauf qu'en fait, on sait pas si c'est une surprise qui est bénéfique ou une surprise qui est mauvaise. On sait pas si c'est un bonus ou un malus. Et en plus, si jamais on dépasse les 800 000 abonnés ce soir, eh ben je vais devoir sortir de chez moi et devoir faire un salto arrière dehors, ce qui est relativement risqué, disons. Donc bon, on va voir. Là on est à 799 727 sur le vrai compteur d'abonnés. On n'est pas loin, on n'est pas loin du tout du tout, donc un peu le stress. Rush Under, ça va être gênant. Mais du coup là, j'appelle pas tout de suite de toute façon. Non, j'appelle pas les gens. Il y a un chien coincé sous ton escalier. Ouais, mais c'est ça, c'est là où il habite. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a un pauvre chien qui s'est coincé là-bas. Bon, en vrai, je sais pas trop ce que je vais mettre dans cette partie-là de la pièce. Si quelqu'un a une idée, je sais pas encore trop ce qu'on peut mettre. On va trouver, mais pour l'instant, je sais pas encore trop ce qu'on va mettre. Ok. Nickel. Pourquoi tu appelles pas? Parce que là, bah c'est fini, j'ai appelé 4 personnes. Bon, je peux pas passer la soirée à appeler non plus. ouais, on est pas loin là. 200, il reste encore 250 abonnés et on a 20 minutes. Ça peut se faire. Premier tendance. Attends. C'est vraiment premier tendance, c'est rigolo quand même. Non, je vous jure, franchement, même moi ça me fait chier parce qu'il y a des gens qui mériteraient plus d'être en tendance que moi.
sur du... Enfin, non, sixième détente. Bon, ça va, on n'est pas premier. Mais je sens, je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que dès que je vais arrêter le live, on va monter en première tendance, genre pendant 2 heures, et après, je vais me faire cliquer. Franchement, ça fait chier, quoi. YouTube, plutôt que de mettre les lives que je fais en tendance, mettez les vidéos, quoi, genre... Parce que franchement, je vous jure, c'est frustrant, quoi, de... Enfin, en vrai, c'est frustrant d'avoir un live que, en vrai, en soi, c'est pas... Enfin, voilà, le live, je veux dire, pour moi, les lives, c'est vraiment de la détente. C'est-à-dire que j'ai pas... Je me creuse pas plus la tête que ça pendant les lives pour faire... Oh, putain. Je me creuse pas plus la tête que ça pour faire des lives. Voilà, c'est des lives. Alors que les vidéos, franchement, bah, je me fais chier à trouver des idées, à mettre ça en scène, etc. Et au final, c'est les lives qui se retrouvent en tendance. Je vais pas me plaindre, parce que moi, il y a les lives qui arrivent en tendance, mais je veux dire... C'est pas très logique. Enfin, bref. C'est quoi ton appli pour voir le compteur? C'est un site internet que j'ai mis sur OBS. Alors attends, du coup, on est à combien sur le compteur? Là, on est à 799 167. Et en fait, vraiment, on est à combien en vrai? Parce que là, on se rapproche très rapidement. Ouais, on est à 799 777 abonnés. Soon le... Ah là, ça va être rigolo. Je crois que là on est bien parti, sachant que j'ai dit que je terminais à 21h30, je pense qu'on est bien parti pour passer les 800 000. Quand il commence à faire nuit dehors, donc je sais pas si on va vraiment bien voir le salto arrière. Pas grave. Large. Bon, 52 de Birchwood, normalement ça devrait suffire pour terminer la décoration. Bon, on est combien les gens? On est 8000 toujours, ok, bah nickel. Cinquième des tendances apparemment, attendez. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes tendances, non, c'est toujours sixième. C'est quoi, je vais cacher le compteur d'abonnés parce qu'en vrai il est même pas à jour et au final ça sert à rien du tout. Et voilà, je vais juste laisser ça. Juste laisser le petit objectif. Voilà. Oh putain. Si jamais ça passe. C'est stylé. C'est stylé. Ouais, il manque quelque chose dans cette pièce en vrai. C'est-à-dire que là, je fous du birchwood partout comme un bourrin, mais je pense qu'il manque quand même... Enfin, je sais pas, il manque quelque chose. Je trouve que dans cette salle, il manque quelque chose. Je pense qu'il y aura d'autres gens qui seront du même avis que moi. Mais là, en vrai, c'est toute cette partie-là, ça fait un petit peu vide. Je pense que je vais faire un autre bike. Hein. Enfin, je sais pas ce que je vais faire, mais... Ok. Le chien est coincé sous le truc. Ok, bon, on est good. Est-ce que j'aurai des glowballs? Je dois dire que là, je commence un petit peu à avoir l'appréhension de devoir aller dehors et devoir faire un salto arrière, en fait. Mais bon, j'ai promis, je vais me tuer. Vous aurez ma mort sur la conscience. hop. Ça fait combien de temps que je suis en live, là? Ça fait... 2h41 quand même, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'aussi long live. Tu es cinquième tendance. On n'a pas les mêmes tendances, les gens. J'aurais fait, mais... Mais on n'a pas les mêmes tendances. J'aurais fait, mais... Du coup, j'actualise. Sixième tendance, toujours. Non. Déso, pas déso. Premier des tendances. Mais vous racontez... Bah, peut-être des tendances live, mais... Mais moi, je parle des tendances. Parce qu'en vrai, tendance live, genre... Enfin, je sais pas, mais moi, je regarde pas, perso, les tendances live... Ah merde, ça se craft comme ça. Genre, les tendances live, perso, moi, je... Enfin, voilà, quoi. Je sais pas si je suis le seul, mais... Mais alors, meilleur live du monde. Bah écoute, bah merci. Ça fait plaisir. Ok, bon, ici, on va juste mettre quelques petites globales, juste pour éviter qu'il y ait des trucs qui spawnent. Alors, nouveau don de la part de... Valérie Mouret, limite dans le coin d'étage en bas, tu fais un truc pour tes chiens. Ah ouais, on pourrait faire une espèce de... Ah ouais, on peut se faire ça en vrai. Hein. On peut se faire ça, ça me donne une idée. On va se faire ça. Je pense qu'en gros...
Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire en fait. On va se faire un petit truc pour les chiens en vrai. Hein. Moi je suis chaud. On va se faire ça juste après. Par contre j'ai plus de lampes. Merde. Bon c'est pas grave. Je prendrai les lampes après. On va se faire un petit enclos pour chiens. C'est une bonne idée. Moi je suis content, ça me va. Donc le petit enclos pour chiens, je pense qu'on va prendre de l'herbe qu'on va mettre au sol. Grâce. Est-ce qu'il nous en reste un petit peu? Il nous en reste 3. Bon ça va. Donc on va faire un petit enclos pour chien qui va aller... Ah merde, on va pas le faire là. Salut Fuse, je génère 1 tonne de rêve par tick et 0,1% en 15 minutes. Bah écoute, si tu veux me dire comment tu fais, je veux bien. alors, comment est-ce que je pourrais faire? Ok, on va faire un truc comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des escaliers comme ça qui vont permettre... Ah non, merde, je vais pas faire comme ça. Non, on va faire comme ça plutôt. Faire comme ça. Et en fait, on va... délimiter l'enclos à chien. Merde, là, il y a une global qui gêne. On va délimiter l'enclos à chien comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la fitette d'Abyssal Stone de Railcraft. Tac, tac, tac. Alors, je vais même faire un truc un petit peu arrondi, je pense. Le Jaguar. Merci beaucoup pour ton nom. Bon, alors, on est à combien? J'attends les 800 000, bah moi aussi j'attends. C'est vrai que ça commence un petit peu à... La pression commence à monter. 799 823 abonnés, on est proche du but les gens. Alors est-ce que ça rend bien là? Est-ce que c'est bien? Ouais ça va, en vrai ça va, c'est correct. Donc on va faire un petit parc à chiens. Top 17 des tendances. Ah, on est redescendu apparemment. On était monté à 6 tendances et là on est toujours 6 tendances. Bon, ok. Non, on n'est pas redescendu. On est combien? On est 8500. Ah non, oui, en abonnés. Je peux vous mettre le nombre d'abonnés. Je sais pas si je peux le mettre en petit. On est 799 823 les gens, il nous manque plus que encore 170 personnes, je vais vous montrer, il nous manque encore 170 personnes et on est, voilà regardez, hop, j'ai la grandeur comme un ouf, voilà 799 823 abonnés, donc ça monte tranquillement. Un petit peu d'appréhension évidemment mais... Mais écoutez, bon, j'avais pas prévu de stream aussi tard initialement, mais bon après c'est pour une occasion un petit peu spéciale. Et en fait, faut savoir qu'à chaque fois j'essaye toujours de passer les caps d'abonnés en live. Donc ça aurait été dommage de rater les 800 000. Sachant qu'on se rapproche franchement vite du million. Hein. Bon je pense que là, ça, malheureusement en fait, c'est que là, la chaîne elle a un petit peu une perte de vitesse ces dernières semaines. Ce qui est triste, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. J'en ai déjà eu d'autres, des pertes de vitesse comme ça. Mais bon après... à moi de refaire des bonnes vidéos pour essayer que ça remonte, mais c'est pas facile en vrai sur du Minecraft en étant coincé sur du Minecraft parce que enfin la communauté Minecraft elle a une certaine taille, vous voyez. Donc après, une fois qu'il y a tous les gens de la communauté Minecraft qui sont abonnés à ta chaîne, c'est difficile d'augmenter en termes d'abonnés, mais bon, c'est pas impossible. Ça, c'est quoi? C'est du marbre. Normalement, il nous reste un petit peu de marbre si je dis pas de conneries. Donc, on va pouvoir faire notre parc à chiens. Merde, je suis fail. On va pouvoir faire notre parc à chiens juste ici. Voilà. Bon là par contre on voit rien du tout. Donc on va mettre des petites globules. Et après je mettrai des lampes. Mais pour l'instant on va juste mettre des globules dans la zone. Je vais limite faire le dessus ici. Tac tac. Tac. Le truc c'est que j'ai plus de basalte après. Ce qui est chiant. On est combien? On est... Merde, ça m'a fait planter le truc, c'est génial. Ah putain, c'est pas possible. Ah merde, c'est zoomé. Je suis désolé. Sorry. Oh là, c'est le bordel, là, j'ai raté plein de noms. Valérie Mouret, Fuse, moi... Sur ton compteur de ta chaîne, je vois pas ton nombre que tu dis d'abos perso.
Je voyais pareil que ton compteur sur le live. Ouais, mais en fait, je crois que... Je crois que... Enfin, en vrai, de YouTube, il m'afficherait pas ce nombre. Genre, il me rajouterait pas des abonnés comme ça gratuitement. En fait, je pense surtout que c'est juste avant de l'afficher à tout le monde avec le vrai nombre, en fait, il check les abonnés et tout. Mais en vrai, c'est normalement, je suis censé vraiment passer le nombre de... Enfin, en gros, il affiche pas le vrai nombre d'abonnés. Dézoome le live. Ouais, bon, c'est dézoomé. C'est GTA 5, je peux avoir un panneau à chaque fois que je te fais rire. Non. Désolé, mais non, ça va être trop chiant pour moi. Ah oui, les panneaux, d'ailleurs, je vais faire ça tout de suite, les panneaux, avant les 800 000. On va se faire les petits panneaux, les gens. Parce que bon, quand même, on va remercier les donateurs qui sont là, parce que voilà. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que, je vous explique un petit peu, là, je vais déménager une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et en fait, à la troisième fois, normalement, j'aurai mon studio dans lequel je pourrais faire les vidéos, enfin, mon studio vraiment dédié aux vidéos. Donc, voilà, c'est pas tout de suite, mais... Mais du coup, normalement, l'argent des dons servira à financer le nouveau setup qui devrait être quand même assez ouf, mais qui devrait être quand même aussi assez cher. Donc il faudra... Enfin, voilà, après, je suis pas à plaindre avec les dons. Donc, 799 867 abonnés. Donc il nous reste encore 130 personnes en 10 minutes. Aïe, aïe, aïe. 130 personnes en 10 minutes. Par contre, à 21h30, si jamais on n'a pas les 800 000, j'y vais, par contre, parce que... J'ai quand même du taf pour demain et j'ai pas envie que ça termine trop tard. Donc les gens, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'êtes pas abonné. Pour petit rappel, aux 800 000, je vais dehors, je sors avec mon téléphone, je stream avec mon téléphone et je vais devoir aller faire un salto arrière en plein milieu de la rue. Bon, le truc, c'est que je crois que c'est pas très bien éclairé la nuit, le soir, donc j'ai peur qu'on voit pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et aussi, il y a le don de viking. Enfin, le don de viking, le troll de viking, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il se passe un truc avec viking aux 800 000 abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est une bonne occasion pour le faire, parce qu'après, le troll de viking, il arrivera forcément, mais le salto arrière, je vais pas m'amuser à en refaire 50. Donc voilà, on est 799 924, les gens, 9 minutes, ça commence à être stressant, 9 minutes pour faire 70 abonnés. Ça me semble correct. En fait, dès que j'actualise, ça monte, en fait. Ah, manque plus que 50 abonnés. 51 abonnés. Ok, 50 abonnés. On peut faire le décompte, hein. On peut faire le décompte, les gens. Au lieu de faire une niche pour le chien, pourquoi ne fais pas tu un deuxième 6-step foot de tir inférieur? PS, c'est mon premier don. Merci beaucoup, Cédric. Bizarre. En fait, je pense que je ferai un autre étage après, où je mettrai toutes mes machines Woot, mais là, je vais faire la niche pour les chiens. Bon, on va actualiser le compteur d'abonnés, parce que là, je sens qu'il va se passer des choses incroyables. Le passage des... Oula, 799 967. 799 980. Ah, ça descend. Ok, ça remonte un peu. Je pense qu'on va le faire, hein, ouais. Je pense qu'on va aller... On va les taper ce soir avant 21h30. 86. Oh là, plus que 14 abonnés. Bon, je crois que là, je vais actualiser encore une ou deux fois. Et... Oh là là. Ah, est-ce qu'on passe les 800 000 et... Non, ça descend. Ah, ça descend. Les gens qui se désabonnent pour essayer d'être le 800 millième. 794, 994. C'est chiant qu'on n'ait plus le compteur d'abonnés en live, parce qu'ils ont dû désynchro le compteur. Ah, bah non, ça descend. Ah, dommage. Dommage, il n'y aura pas de salto arrière. Attends, ça, c'est les gens qui se désabonnent pour essayer d'être... Oh là, putain, moins 50 abonnés d'un coup, dis donc. Bon, comment je pourrais faire? Attendez. Tac. Ok, bon, on réactualise. Ok, ça remonte. Et ça fait vraiment du yo-yo, quoi. 974, 977, le stress est à son comble là. 943, 958, c'est le gros bordel là. C'est le gros bordel, le compteur d'abonnés. Il reste encore 7 minutes. Ça, on a 7 minutes pour faire 50 abonnés, je pense que ça se fait. Ok. 43 abonnés. Oula, il y a une percée, est-ce que ça va passer? On est quand même monté jusqu'à 997. Et là, on n'arrive plus à repasser, putain. Plus que 7 minutes, les gens.
Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, je vais un petit peu continuer. On reviendra dans 2 secondes. Une fois que ça se rapprochera. En vrai, j'ai la petite boule au ventre. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de boule au ventre comme ça pour le passage d'un nombre d'abonnés. Bon, je vais essayer de pas le rater en même temps, mais c'est pas facile. Si tu as les 800 000, tu vas en vocal avec les membres de MC Modé. Bah j'irai quand je mettrai les panneaux, ok. GG par avance pour les 800 000, merci beaucoup Mike. Moon, en panneau de donateur, mais Zeipro, STP, PS continue. Bah ça dépend, enfin je regarde. Le truc c'est que les panneaux ça prend un temps fou à faire, donc si en plus faut que je change les pseudos et tout, ça te la galère. Oh, on a passé les 800 000. Oh putain, on a passé les 800 000 de très très loin en fait. Attendez, regardez-moi ça, on est passé de à galérer à passer les 800 000 à 800 067 d'un seul coup. Bah les gens, écoutez, merci beaucoup pour... voilà, on a 5 minutes d'avance sur la deadline que je m'étais fixée. Bah merci beaucoup d'être si nombreux, ça se trouve... Ouais, bah voilà, bah, on est en train d'exploser les scores. Et merci beaucoup d'être si nombreux à me suivre, et putain, ça explose là. Ça explose, c'est un truc de dingue. Merci beaucoup d'être si nombreux à suivre les vidéos à chaque fois. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à regarder les vidéos. Très franchement, voilà, YouTube, ça a changé ma vie. Et voilà, 800 000. Hashtag road to 1 million. Bon, après, on peut regarder le vrai compteur d'abonnés. Le compteur d'abonnés Social Blade. Ouais, vous voyez, on est à 700 abonnés, 700 abonnés en retard. Hein. Tableau de bord. Ok. Bon, on est à combien? 800 000. 800 500, bon après ça monte, ça descend hein, comme d'hab, mais franchement merci beaucoup les gens, on est plus de 800 000 sur la chaîne, c'est juste un truc de gros malade. Du coup ce que je vais faire c'est que, bah voilà, comme je l'avais promis, je vais devoir descendre en bas de chez moi et faire un salto arrière, ce qui me fait un peu stresser, mais bon. Mais bon, bah, il faut ce qu'il faut hein, pour gagner des abonnés. Non mais voilà, merci beaucoup franchement. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre et merci beaucoup d'être toujours aussi fidèle. 800 180, 800 160. Bah voilà, bah disons que bah merci. Alors je vais essayer de remettre comme c'était avant. Je vais remettre Minecraft. GG, bravo pour les 800 000. Merci beaucoup Valérie Mouret. Merde. Oula, Willis, mais Willy 1370. GG à toi, 800 000 abos du Québec. Bah merci beaucoup pour ton nom de Pokémon. 3731, merci. Matt 7445, merci. Quentin de la rue, GG, merci. Valérie Mouret, GG, bravo pour tes 800 000. Voilà, bisous, merci beaucoup. Salut Fuse 3, j'ai les coordonnées de ta base. Bon bah d'accord, Nancy, merci, ça fait plaisir. Salut Fuse, fais une dédicace à la Rage Team. Voilà. Donc ok, bon, alors faut juste que je mette mes chaussures. Et que je trouve un moyen pour vous streamer en direct quand je vais sortir. Ce qui risque d'être pas facile du tout. Donc voilà. ok, bon, alors. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un truc qui s'appelle Google Hangouts. Google Hangouts. Ok. Alors, appel vidéo, est-ce que ça marche? Saisissez un nom ou une adresse mail. Je vais mettre mon adresse mail. Invité. Donc là, je me suis invité moi-même. Et normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien, je devrais être capable. Ouh. Un petit peu d'appréhension quand même. 500 internal error, putain. Génial. D'accord, j'ai l'erreur des singes, j'attends. Est-ce que ça fout la bordel sur YouTube ou pas? Ou c'est juste moi? Attends, j'essaie de retrouver la page du stream parce que je suis perdu. On est presque 10 000 les gens. Alors, est-ce que putain, je vois plus le chat. Putain, le chat est plus à jour. Ah. 2 secondes. Hein. Là, je galère parce que bon, c'est le bordel techniquement, mais j'ai l'erreur 500 sur le truc, ce qui me fait chier. Allo, YouTube. Putain, ils sont chiants. Ils sont chiants, ça bug pile au mauvais moment. Bon allez. Donc il me faut. Donc je vais lancer le stream de façon à ce que vous puissiez me voir sur le. Sur le live.
Attends, il faut que je désactive ma caméra par contre, sinon ça va foutre la merde. Je galère, hein. Oui, je galère comme un gros malade. En vrai, je stresse un peu. Hein. Je stresse un petit peu. Alors, du coup, on va envoyer une info. Normalement, j'ai reçu un message. Donc, pour les gens qui arrivent, là, je vais devoir sortir de chez moi, aller faire un salto arrière, ça va être n'importe quoi. Merde. J'ai pas reçu l'invitation. Attends, je vais inviter des utilisateurs. Contact. Invité. Attends, je vais carrément copier le lien de partage. Une copie dans le presse-papier. Attends, Google Hangouts. Attends, c'est trop chiant. En vrai, je galère comme pas possible. Hangouts. Attends, je vais mettre, tu sais quoi, je vais carrément mettre la caméra en plein écran, comme ça au moins vous pourrez voir ce qui se passe un petit peu behind the scenes. Merde. Voilà. Bon, là, du coup, je suis là en deux fois, mais... Ok, bon. Du coup, Hangouts. Il faut que je m'appelle moi-même. Tac. Tac. Ok, je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Ça sonne. Ah, répondre, ok. Appel vidéo de inconnu. Normalement, répondre. Ah! Oh, ok, ça, il y a de l'écho. Je vais muter, je vais couper ma cam. Oh putain, la cou, elle pue! Oh, c'est infâme. Bon, alors du coup, je vais vous mettre la... ce que je vois, ce qu'il faut voir. Oh là là. Source capture de fenêtre. Tu peux mettre dans tes vidéos le wof. Qu'est-ce que. Je comprends pas, va cool. Désolé. Alors, créer une nouvelle source. Ok. Alors, il me faut appel vidéo hangout. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Putain, elle me dit pas que ça marche pas par contre. Alors, sinon, je peux faire autrement. Alors, par contre, le problème, c'est que je crois que je verrai pas votre. Je verrai pas le chat. Ok. Ok, ok. Là, normalement. Caméra. Ok. Yo, les gens. Ça va? Est-ce que tu iras à la Paris Games Week? Ouais, je vais à la Paris Games Week tous les ans. Ok. Putain, c'est trop stylé. Et regardez, je me vois. Je me vois dans la. Merde. Ah mais non, mais c'est bordel du coup. Non mais en fait ouais, je me vois à partir de la caméra principale. Bon alors dites-moi si au niveau si au niveau du ah c'est n'importe quoi. Dites-moi si au niveau du vous m'entendez bien. Premier tendance live. Totem Viking a mis des boss chez toi. Oula, j'ai peur. Il a mis des boss chez moi. Je sais pas. Attends, je vais me déconnecter de Minecraft modé tant que j'y suis. Alors je vais juste vérifier si tout est bon. Allo, allo, 1, 2. Ah merde, il y a de l'écho. Il va y avoir de l'écho. Attends, je vais juste me muter le micro. Normalement, vous devriez m'entendre. Ça résonne. Ok, attendez, attends. Est-ce que ça marche? On t'aime, oui, mais pas écho. Je suis modé, donc j'y suis. Alors je vais juste vérifier. On me voit si tout est bon. Allo, allo, ça marche pas. Je suis trop con. Ah merde, il y a de l'écho. C'est pas celui-là. Je vais juste me cacher. Je galère, hein, je sais, c'est normal, j'avais prévu de galérer de toute façon. Hop. Hop. Attendez deux secondes, hein. Faut juste que j'arrive à retrouver la page où il y avait l'appel. Ah merde, je crois que je l'ai fermé. Ça résonne. Ok, attendez, attends. Oh putain. Je suis désolé si je galère. Je vais y aller dans deux secondes. Je sais que ça. Merde, ça résonne.
On voit rien, c'est normal, c'est normal. Deux secondes, il faut juste que je règle les problèmes. Il y a deux personnes cliquées sur mon serveur en plus. Tu as loupé mon don. Non mais c'est normal, les dons là pour l'instant j'ai pas. Je m'occupe pas des dons, j'essaie juste de faire marcher le truc. Putain mais ça m'a foutu ce truc. Quitter la conversation. Quitter. Pas de panique les gens, là c'est juste je galère comme pas possible. Putain, je reçois pas les appels en plus. Eh, mais je vous jure, Hangout c'est le pire truc du monde, vraiment. Faut pas qu'ils s'étonnent pourquoi ça marche pas. Hein. Nouvelle conversation. Ça répond pas. Ok, chargement en cours. Appel vidéo. Je suis vraiment désolé les gens. Mais c'est trop compliqué en fait, genre. Allô, putain, il veut pas appeler. C'est genre, c'est un truc de ouf. Comment je peux faire sinon? Dépêche, le son est magnifique. Attendez, les gens, hé, hey, genre, je vous jure que je fais mon possible là. Genre, ça me fait chier autant que vous que le truc marche pas. Mais genre, j'essaye d'appeler en fait, j'essaye de m'appeler moi-même. Mais ça marche pas. Attendez, je vais changer carrément. Bon, j'ai pas bonne idée de ce que je fais. Je vais m'appeler avec ça. Plus. Appel vidéo. Je sais qu'on me voit plus sur la caméra, mais en fait, genre, je peux pas avoir la caméra qui est utilisée par deux trucs en même temps. Appel vidéo. Ok, là, normalement, ça devrait marcher. Si tout se passe bien. Voilà, je reçois un appel. Répondre. Ok, nickel. Bon, je vais y aller là cette fois-ci, normalement c'est censé marcher. Pourquoi est-ce que ça fait un écho? Ok, j'espère que. Je galère. Ok. Bon. Normalement, là, c'est bon. J'espère. Enlever mes lunettes. Dehors. Juste mettre ce micro là, comme ça il n'y aura plus d'écho. Donc les gens, les gens, les gens. Normalement, bon par contre, refusez, arrêtez. Et les gens qui ont un hangout là, arrêtez d'appeler, genre franchement vous êtes relou. T'es un galérien, on t'entend pas. On t'entend pas. Allez, bonjour, ça me saoule. Ça me saoule trop. Je vais y aller, mais c'est genre ça prend 30 minutes à. Putain, il y a un mec qui m'appelle et tout. C'est chiant. Et c'est qui appelle là? Et c'est insupportable, c'est insupportable. Bon, Ivano Wizard, là, tu fais chier. Alors. Bon, 2 secondes, attends, c'est quoi? Je vais essayer de refaire le truc plus proprement. Comment je pourrais faire? Déjà, je vais fermer toutes les fenêtres Chrome. Ah. Ça, je pourrais remettre la caméra. Non, je peux pas remettre la caméra. Ok, bon, je galère comme pas possible, c'est un truc de ouf. Alors, c'est un truc de ouf.
Ok, bon, alors là je vais y aller, il me faut mes clés. J'ai pas mes clés. Bon, attends, attends, en fait, il y a un mec qui m'appelle depuis tout à l'heure sur. C'est pas possible de galérer comme ça, c'est un truc de ouf. En fait, là, je vais juste bloquer un mec sur Hangout. Tac, donc toi, t'es bloqué, mon poteau. Option. Bloquer ce mongol. Ok. Eh, s'il vous plaît, les gens qui ont l'adresse du Hangout. Genre, vous allez juste être bloqué en fait si vous continuez à appeler, donc ça sert à rien. Ok. Bon, j'y vais cette fois-ci parce que bon, je trouve pas mes clés en fait, c'est surtout ça. Putain, vous êtes insupportables. Vous êtes vraiment insupportables, les gens. T'as comment. Eh, le truc, c'est que je connais pas du tout Hangout, je sais pas comment on se met en ne pas déranger. Ok. J'ai pas mes clés en plus, c'est génial. Ah, ils sont là sur la porte. Ok, bon, c'est parti. Bon, je vous ai rien voir pendant un certain temps. Normal, je cache là où j'habite. Ok, donc là, normalement, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère qu'il n'y a pas des mecs qui m'appellent encore. Donc, c'est trouver un. Ouais, là, c'est pas mal, là. On va aller là-bas, ok. Bon, attends, je vais essayer d'avoir le chat. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Alors. Bonjour, agent GB, premier des tendances. Stylé. Ah, est-ce qu'on voit les trucs? Ah merde, on voit rien. On voit plus rien. Est-ce qu'on entend au moins? Ah, c'est peut-être quand je descendais en fait. Ok, bon là il y a un problème, je rentre chez moi. Attends, est-ce que c'est réparé? Non, c'est pas réparé, putain. Fuck, fuck, fuck. Vous pouvez entrer. J'arrive à avoir une pub sur les ailes. Ah non, c'est réparé. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est réparé du coup. On voit, c'est bon. Ok. Ok, je sais pourquoi.
Ok, là normalement c'est bon, ok? J'espère que c'est bon. Bon, du coup. Bon, si ça. Je refais pas, hein, si jamais. Alors après, j'ai entendu dire qu'il y avait en fait des mecs qui appelaient. Une voiture. Une voiture qui me laisse passer. Bon, en fait, il y a des mecs qui m'appellent en même temps sur mon hangout. Donc. C'est comme ça vous pourrez aller les spammer pour voir un petit peu ce que ça fait de se faire spammer. Donc voilà, bon. Est-ce que vous êtes prêts là? Là, genre, je suis sur un rocher. Vous voyez? Pour la science. Failli tomber. C'est bon, je suis toujours en vie. Ok, bon, on va pouvoir rentrer tranquille. Et puis voilà. Nickel. Une voiture. Nickel, nickel. Bon, bah, j'espère que ça s'est vu. Et voilà. C'est vraiment le pire live du monde. C'est vraiment le pire live du monde. Oui. Allez, je coupe l'appel, je reviens dans le vent. Eh merde, on m'entendait plus. Ok, bon, alors en fait, ce qui se passe, c'est que on a vu mon truc Hangout, ce qui fait que plein de petits malins qui sont amusés à m'envoyer plein de messages. Donc je vais regarder la rediff, ce qui s'est passé. Hop. Oh putain. Bon, j'espère que ça s'est bien vu. Mais genre, ça sert à rien de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. M'envoyez pas des messages sur Hangout, genre. C'est relou, genre. Vous êtes chiant. Putain, je suis claqué. Couru. Alors, j'espère déjà quand même que ça a marché. Déjà parce qu'on a perdu la moitié des viewers. Donc, si on a perdu la moitié des viewers pour rien, c'est un peu chiant. Mais surtout. Qu'est-ce que ça dit sur Twitter? Sur. Qu'est-ce que ça dit? Alors, est-ce que ça a marché? J'espère que ça a marché parce que sinon, c'est chiant. Oh non, mais non, il y a le truc de Evernote qui s'est mis devant. On n'a rien vu. Les gens, est-ce que j'y retourne ou pas? C'est le live de la galère. Hein. C'est vraiment le live de la galère. J'ai vraiment la flemme. Alors, je vais quand même le faire parce que je l'avais promis. Mais comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de streamer en même temps? Je réfléchis, hein, mais... Avec quoi je peux faire un appel vocal? Pas avec Skype, c'est pas une bonne idée. Déjà avec Hangout, c'est moyennement une bonne idée. Oui, non, t'inquiète, c'est pas grave. Bon, déjà, je vais regarder les donateurs de pendant que j'étais pas là. Allez, je vais refaire, mais bon. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui, retourne-y. Bon, par contre, là, les mecs qui m'envoient des messages... Franchement, ça m'énerve, par contre. Arrêtez de m'envoyer des messages sur Hangout. Je vais tous vous bloquer, attendez. Bloquer. Bloquer. Je suis désolé, mais bon... Vous êtes chiant.
Hop. Option. Bloqué. Ah, je suis désolé, mais... Bon, maintenant, on va rappeler. Je sais pas pourquoi ça marchait pas, en fait. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Genre rien. Alors, attends, j'ai un pote qui m'a dit... Gros, ça sert à rien, on voit rien, une pop-up est apparue, on voit rien, genre rien. Ok. Faut que je refasse. Putain, et c'est un truc de ouf, ce live, hein. Ok. Bon. Ok, j'arrête. Mais putain, mais lui, je l'ai bloqué, il a réussi à m'envoyer un message. Hop, option, bloqué. Ok. On va retourner. Il y a de l'écho, ça. Ça devrait plus avoir d'écho, mais putain, allô. Hey, toi, Charles, Antoine, machin, là, t'es bloqué. Putain, mais c'est un truc de ouf. Pourquoi, quand je fais bloquer, je continue à recevoir des messages? Genre, hey, vous êtes chiant. Hein. Ok. On y retourne. C'est pas grave. C'est pas grave. On y retourne. On va faire vite, hein. Ok, bon, allez, hop, on se dépêche. Bon, j'espère que là, ça va. Donc, on va se remettre sur le petit caillou sur lequel j'étais juste avant, là. Voilà. Bon, c'est passé une fois, ça passera deux fois. Les gens dans un bus, là, ils me regardent chelou. Je suis pas sûr que vous l'ayez vu parce que j'ai fermé l'application de chat en même temps. Je vais le refaire. Allez hop, c'est dans la boîte. Bon, et par contre, là, je ne referai pas. Je le fais deux fois, mais pas trois. Hein. Donc voilà. Encore une fois, merci pour les 500 000 abonnés. Je dis pas merci aux gens qui envoient des messages sur Hangout en même temps. Et voilà. Par contre, il y a des gens qui rentrent. Oh non. Il y a un mec qui rentre en même temps dans le même immeuble que moi. Donc je vais rentrer après parce que s'il me voit avec mon téléphone comme ça va être chelou. C'est quoi, je vais éteindre et je vous reprends dans deux secondes.
Bon, désolé, j'étais muté. C'est l'énorme bordel. Hein. Je vous jure, c'est le pire bordel du monde. Ok. Bon. Ok, bon, on l'a vu. Je m'en fous, on l'a vu. Bon, les gens. Bon, je suis claqué. Je suis désolé. On va pas regarder aujourd'hui le prank de Viking. Je suis désolé, c'est ce que j'avais prévu, mais là, il est trop tard. Donc, je vous... sans faute, dans le prochain épisode de Minecraft Modé, je vous montrerai la surprise de Viking. En tout cas, merci à tous les gens qui ont suivi ce live. C'était un bon live. Il y avait moins de gens que d'habitude, c'est triste. Il y a des gens, ils ont fait chier à envoyer des messages sur Hangout, que je vais me faire un plaisir de bloquer. Et voilà. Genre Charles-Antoine, qui m'envoie t'es le meilleur 50 fois. Est-ce que vraiment c'était nécessaire de m'envoyer ça 50 fois? Enfin, je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais... mais voilà. Ah oui, merde, faut que je fasse les panneaux aussi. Ah, attendez. Attendez, communauté. Putain, je suis essoufflé, là, j'ai couru pour rentrer. Alors, je vais juste remercier quand même les gens qui ont fait les derniers dons. Vous êtes très malsains, les gens qui balancent les hangouts dans le chat. En vrai, je m'en fous, hein, du hangout, c'est-à-dire que j'utilise jamais, mais genre... enfin, vous êtes juste chiant, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu juste gâcher le truc du live. J'aurais pas refait trois fois, donc vous êtes chiant. Bien le bonsoir, petite crevette. Petit tip sur toi. Bon live à toi. Merci beaucoup, la crevette. Recherche ouf Roblox sur Google. Va cool. Bah merci, je regarderai. Black Ghost, merci pour ton don. Le boss du 621, merci. Natak 200, merci. XD, demain j'ai cours, pétain. Je vais pas assumer. T'inquiète, moi j'ai partiel. Je vais pas assumer non plus. Merci. T'as raté plein de dons. Valérie Mouret, bah non, je les lis maintenant. T'as loupé mon don, t'inquiète pas, j'ai pas loupé. Rushender, tu peux répondre à ma question, je vais y répondre après. Va cool, tu peux aller dans le chat, la vidéo ouf. Question, tu comptes tous tes lives pour les panneaux? Ce que je veux dire, en euros, tu additionnes les lives? Non, je peux pas parce que, en gros, si jamais je dois faire de live, c'est genre, c'est trop long. Donc je fais live par live. Parce que, enfin, en vrai, si, genre, ça me gênerait pas de tout comptabiliser si YouTube me mettait une interface qui me disait telle personne a pris tant, mais le truc c'est que si à chaque live je dois tout recompter depuis le début combien la personne a fait, genre, j'en ai pour la journée quoi. Félicitations pour les 800k, je suis content que tu galérais au 300k, merci beaucoup Rushender, tiens pour les 800k, GG à toi, 800k, beau du Québec, gros GG à toi, GG. Ok, bah merci les gens. Les panneaux, vous inquiétez pas, je vais tous les mettre, et dans le prochain épisode de Minecraft Modé, je vous mettrai des screens comme quoi ils sont là et tout, vous inquiétez pas. C'est juste que là, genre, je suis crevé et je dois réviser pour demain. Donc, désolé Corentin, je sais que tu voulais que je les mette pendant le live, mais, genre là, je suis claqué, mais vous inquiétez pas, vous aurez tous vos panneaux. Et voilà, merci en tout cas pour ce live, c'était très cool, à la prochaine, à plus.